Ça arrive. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ici Vincent Studio avec Yaki Pon et surtout Jacques. Bonjour, 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 bonjour. Voilà. C'était bien. On n'oublie personne. Pas quoi faire. Toujours une carte à l'ambulance. C'est dingue. Hein, c'est... ça, je pense que ça va être la marque de fabrique, ça va être le début catastrophique. Ah ouais, non, mais la prochaine fois, ça sera dans toutes les langues, comme ça, au moins. Ouais, on va dire ça. Tu as une sauvegarde de Clink, donc. Oui, mais c'est Clink, oui. Oui. Donc, on a repris Evoland 2 tranquillou avec les trolls. La dernière fois, on avait terminé là-bas, sauf qu'on avait décidé qu'on refaisait un tour du niveau parce que j'ai loupé plein d'étoiles. Voilà. Ouais. Des étoiles, oui, ou de la chose. Mana ou des minerais, enfin voilà. Bref, j'ai loupé des trucs. Alors, bon, merde, mais déjà il y a celui-là, là. Mais je peux passer que de l'autre côté, je crois. Ok, bon, faut vraiment que je réapprenne à aller voir les. Oula, j'ai failli tellement mourir. Ok, donc on va reprendre là-dessus, on va finir sûrement le machin de la glace, le... j'ai oublié comment ça s'appelait, fragment ? Le fragment. Ouais, le fragment de magie de la glace, et on va attaquer après avec les sylves, mais les sylves, il faut qu'on reparte dans le passé pour apparemment trouver l'apparente de Fina qui était une sylve. Voilà, aux dernières infos, on avait ça. Mais putain, mais pourquoi je fais que tomber? Je comprends pas. Pourtant, je mets vers le haut exprès. Ben, je comprends pas. Mais pourquoi il tombe? Parce que t'as appuyé sur bas? Mais non, j'ai fait exprès de faire haut diagonale. En ce moment, je suis sûr d'avancer et de pas tomber. Puis j'avais des soucis la dernière fois avec ça. Bon, là il y avait un caillou, mais ça nous amène au pont. Oui, donc ça sert à rien d'aller là. Ah merde, c'était l'ascenseur. Oh, ouf, ce bol. Alors. Donc là, normalement, quand on va y avoir les espèces de têtes qui sortent du sol, les îles de Pâques, on va dire. Les totems. Va falloir que j'en prenne un pour monter. Ouais. Ok, salut toi. Putain. Il a pris l'ascenseur avec moi, il était content. Ok. Là, ici, ça sert à rien. Ouais, non, ça sert à rien, là. Ok. Et merde. Là où on pouvait pas y aller. Donc là, on descend. Hop. Allez, sauvegarde. C'est là-haut. Me dis pas que c'est celui que j'ai tué. Et si? Donc on va essayer de le faire revenir. S'il revient. Au pire, hein. Hop. Je crois que c'est celui que j'ai tué, qu'il fallait pas tuer. Salut Tom dans le chat. Ah merde, j'ai pas remis. J'ai mis la liste des viewers, j'ai pas remis. Bonjour. Je remettrai après. Ok, c'était là. Bon, déjà un. Hop, je vais remettre la liste. Toc. Voilà, comme ça au moins je peux dire bonjour aux gens. Ouais. Et c'est. Étoile. Alors attends, l'étoile c'est les PC. Il y en avait un, je sais plus où. Oh punaise de con de. Ah mais c'est. Ok, l'étoile je l'ai sous les yeux.
Ok. Mais il y a un truc qu'il faut faire attention quand je descendrai d'un. Quand je vais descendre, je crois que j'en avais loupé un. Est-ce que le minerai, tu l'as eu sur cette map? Et je crois pas. Attends, s'il est au début, oui. Minerai d'Oricon. Ouais, s'il est au début, oui. Oui. S'il est pas au début, non. Je crois qu'au Non, il est début c'était de la maintenant. mana, mais je suis pas sûr. Au tout début, t'as mana et minerai. Et là, l'étoile. Ce que tu viens d'avoir, c'est le troisième. Coffre. Je crois que j'en avais loupé un, hein. Et Cela il en dit. reste encore un après. Ouais. Bah, si tu me dis que t'as déjà eu Je les crois ceux que c'est d'avant. là, ouais, voilà. Mais je sais pas comment je peux voir derrière. Alors. Genre là, il y a un truc, c'est sûr et On certain. sauvegarde. Ok, c'est Descendez bon. en suivant. Atteindre la Je zone. l'ai eu. Et Ok. c'est la gelée rouge. Génial. C'est ça. Ça pour de la gelée rouge, quoi. Et bon, d'accord, je sais pas à quoi ça sert à la fin, mais. De quoi, la gelée rouge? Ça sert à faire des potions. Je me souviens pas tout ça. La gelée rouge, ça sert à faire des potions qui te rendent toute ta vie. Quand tu vas voir Bibi. Ah bah oui, logique en même temps. Le rouge, c'est la vie. Ouais, mais la verte, c'est mi-vie. Ah merde, j'ai 4 points de vie. Bah, je vais mourir. Non. Ouais, si. Pff. Alors, c'était ridicule en plus comme mort. À tes souhaits. Non! Aïe, aïe, aïe. Quelle idée de refaire ces niveaux. Ouf. Oh, dommage. Mais c'est pas possible, c'est gelé moisi. Sur la fin, voilà. Là, on arrive sur le troll vicieux. Hop. J'espère qu'il faut Ah, pas mais le il est refaire. là. Oh merde. Genre, pourquoi ils l'ont remis, on l'a tué? Merde. Ah, je répète, hein, je suis pas très fort sur Mario. Ok. Ah, punaise. Ok. C'est bon, c'est refini. Ah, mais ça Tu lui refait as de mis l'XP et tout? Putain. plus de dégâts que l'autre fois. J'ai été meilleur, je pense, dans l'exécution. J'ai Tout l'impression ça. que les qu'à chaque fois que tu tapais, ça tapait un peu plus. Bah, à chaque fois, je lui ai mis Bon. Fina alors que je le faisais pas la première fois. Donc oui, je pense que j'ai été un peu meilleur. On va dire ça. Et donc on va dans la caverne. Dans la Noria. Mais non, j'en viens, je suis con ou quoi? Il faut revenir à... faut Et pour revenir là. revenir voir les Vikings. Les Vikings. Le mec, troisième tour des mines de la Allez, Noria. on recommence. Jamais 203. Oh C'est le tour gratuit punaise. du manège. Complètement. Et attraper le Ménon! Attraper le Ménon. Et attraper le Attraper Fourfon. la Dodu. Mais. La peau. Ah, j'ai plus rien. Bon, c'est pénible là.
Oui. Je suis vraiment un idiot bête. Mais bon, c'est pas grave. Oh non, pas eux. J'en ai eu qu'un, quoi. Bon, on s'en va parce qu'ils m'énervent. Ils me font trop mal. Ça fait longtemps qu'on l'a pas rappelé, mais bon, vous pouvez nous suivre partout, mais vous pouvez aussi faire des dons sur Hello Asso pour nous soutenir. C'est vrai, on l'a pas rappelé. Surtout en ce moment parce que y a plus de café. Ah bon, il y a plus de café? Ah non, il y en a plus du tout. Ah non, la dernière fois on a acheté 100 capsules, on a dit fuck it. Ah, faut que je fasse une commande. Mais là, il y a beaucoup de thé apparemment qui va arriver. Ouh. Alors, vous avez vaincu le grand troll vicieux, c'est pas mal. À votre âge, il n'y a pas de quoi en être fier. Mon fils aîné l'a vaincu à 8 ans. Non, on sait. Avec une simple pelle. Notre peuple vénère la grande tortue. Elle est immense et porte le monde entier sur son dos. Où vous soyez avec sa grande... avec sa carapace gris-bleu et ses yeux orange, elle sait toujours où vous trouver. C'était à qui qu'il fallait parler pour le tournoi. Mm-hmm. C'est bien, le gamin, il a déjà un bon CV. 6 ans, ouais. Écrire les paroles de Stromae. 8 ans, battre le troll vicieux. J'en peux plus de toi. Tu me fatigues. C'était là, non? Ah oui, vous inscrire, oui. Mais vous voulez connaître les règles du tournoi? Oui. Que voulez-vous savoir? Le déroulement. Le tournoi se déroule sous forme de combat singulier. Vous devez vaincre 6 guerriers en duel avant de pouvoir affronter notre chef. Le premier qui vaincra le chef remportera le prix. Cette année, c'est un truc ancien qu'on a trouvé en creusant le tunnel. Que voulez-vous savoir? Les astuces. Si vous alignez au moins 4 gemmes sacrées, vous pouvez rejouer directement. Ne laissez pas votre... On me dit pas que c'est un... un Candy Crush. Si, c'est un Candy Crush. Ça va être ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est rigolo. Ou alors, c'est un espèce de diamond ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, plutôt ce genre-là. Ouais. Mais après, c'est pour des vikings, ça surprend, quoi. Du... oui. Ah oui, d'accord. Attends, mais y a de l'argent. Apparemment, je peux faire des pouvoirs avec mes types. Ouais. Et le but, c'est de lui enlever de la vie. Ok. Donc, si je mets 3 épées... ok, ça l'attaque. Ouais, alors, ça va étonner les gens si je dis que je suis nul à chier à ce genre de jeu. Astuce. Mais L'or ne sert strictement à rien. Donc, à moins que tu puisses en aligner 4, ça sert à rien. Voilà. L'or, Ouais. C'est l'or de maison du café. Je lui mets sur la tête. Hein. Non, pas ça. Et parfois, l'or pourra peut-être me... ouh. Attends, après oui, je peux faire des combos. Tour supplémentaire, ouais. La musique. Oh non, je suis pas très bon à ce genre de jeu. Séisme. Ah, mais attends, mais moi aussi je peux utiliser mes trucs, comment je fais? Ah, je peux utiliser. Détruire une ligne, inflige 6 dégâts et soigne 5 PV par gemme récoltée. Verte, ah. Donc on va prendre celle-là. Swish. Ok, ça peut être fun. Puis maintenant je peux faire Ménon. Ménon il va faire une bombe, il va faire ça. Pouf. Eh, c'est pas mal. En vrai. Bah là il me faut attaquer et j'ai gagné, c'est ça. J'en peux pif. Ok, ça peut être marrant. Ce n'était pas trop mal, mais vous avez encore des progrès à faire. Je t'ai tué. Écoute, bon, c'est parti. J'imagine que ça va être de pire en pire, hein, dans le monde. La musique, elle est ridicule, quoi. Et là, je vais pouvoir faire 4 d'or. Oh non, il l'a fait! Salaud, Philippe. Ok. Bon, il me faudrait du vert si je veux faire Fina. Ouais, je vais faire comme ça, parce que sinon, il va me voler mon tour. Ah, ben voilà, c'est ça que je voulais faire, pif. Et en plus, j'ai fini un... c'est quoi ça? Ok. Alors, il me faut du vert. Là, c'est pas mal. Paf. Et paf. Ouf. J'ai envie de tester la glace, mais... bah, c'est la saison. Je sais pas ce que ça peut donner, là. Va jouer mon tour ou pas? Non, c'est bon.
Pif. Tour supplémentaire. Go, gel. Oh, c'est bien, ça gèle les pouvoirs. Ah ah, je vais prendre un nouveau tour supplémentaire. En fait, c'est si j'en mets 4, j'ai un tour supplémentaire quoi qu'il arrive. Donc, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, je vais faire ça. Ah, tour supplémentaire, je l'avais pas vu là-haut. On va faire Ménon. Et on va péter... Alors, c'est quoi ? Non, non, je veux pas abandonner. Ah, j'ai pas regardé, mais... Mais non, comme il faut, c'est pas grave. On va le laisser jouer un peu, le pauvre. Mais non, il détruit une zone de 3 par 3. Ouais, mais il y a un truc, j'avais écrit un truc, je crois. Oh là là. Oh. Ouais, ok, là, il m'éclate. Hein. Oh la vache. Alors, c'est... Il faut du verre pour soigner. Allez, plus qu'un tour. Il faut que je le tue, je sais pas comment. Il me faut des épées à sa place et il peut me faire une tempête, donc en fait il va gagner quoi qu'il arrive là. Merde. Attends. Oh non, il reste 4 points de vie. Ok, c'est bon. J'ai gagné. Celui-là est un peu plus tendu. Il m'a mis un tour là. Il m'a calmé. Ok. Et de deux. Ouh, allez, c'est parti. On recommence. Hop. Ah, bah oui, évidemment, il le prend. Ok, moi je peux en prendre un là. La musique est vraiment ridicule. Ah, je peux en prendre un là. Impec. Où c'est qu'il y a un 4? J'en vois pas d'autres pour l'instant. Hop. Bah, si je fais ça, je pense que je lui en donne un. Non, ça va. J'ai peur de lui en donner un. Ouf. On va le taper, tout simplement. Bah, il me faut quoi? Du jaune et du bleu. Bah, du bleu, j'aimerais bien là-haut, mais... Hop, on va se soigner. Salaud! Il a cassé les bleus. Je vois pas de 4. Je vois pas de 3 non plus, à part de l'or, quoi. Merde, je peux pas la... Ah si, je peux faire... Alors, c'est quoi? Inflige 6 de dégâts, plus 3 par gemme rouge récoltée. Tiens, là, il y en a 3. Boum. C'était bien, ça. Là, il y a de l'épée, donc on pourra attaquer. Il reste très peu de points de vie. Là, je vais pas crier victoire trop tôt, mais je pense que c'est bien engagé. Oula, 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 arrête. Alors déjà, je vais prendre un tour supplémentaire. Je vais reprendre un tour supplémentaire. Il n'y a toujours pas 3 épées. Hein. Bon, au pire, je vais prendre le bleu pour pouvoir faire Fina et le tuer comme ça. Il faut du vert. Pouf. Voilà. Bon, c'est rigolo. C'est même plus intéressant que... qu'un chose... Candy Crush. Merci. De rien. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Et on fait un gros bisou à ta maman qui joue beaucoup à Candy Crush. C'est vrai. Même parfois un peu trop. Mais c'est pas grave. Alors, ensuite, je peux faire ça pour un tour supplémentaire. Oh là là. Dès le début, il a pris cher. Oh là. Pif. Et on va jouer Ménon. Parce qu'il y en a 3 là. Ouais. Bim. Le pauvre, il a pris en moitié vie premier tour. Alors. Pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs à faire de bien intéressant. Non, toujours pas.
Ah non, je lui ai donné. Je l'ai pas vu. Tant pis, c'est ma faute. Ah, il se soigne. Oh non. J'ai gelé tes sorts. Tiens. Je vais pas m'embêter. Est-ce qu'il y a beaucoup de gemmes rouges? Non, là, il y a de la taille. Oh, là, il y a de la gemme rouge. Ah, mais elles sont pas bien agencées, cela dit. Alors, on va faire ça. Merde, je lui donne un de mon tour. Oh, il le fait pas. Alors que... Attends. D'abord celui-là, dans ce cas-là. Ensuite, celui-là. Voilà. Allez. Et de 5. Alors, il n'y a pas de 4, ou du moins j'en vois pas. Donc, c'est parti. Jouons correctement. Je prends du rouge, toujours agréable. Un peu de vert, non. Essayer de faire tomber des épées. Merde. Je pensais que ça allait toucher là, mais... Pouf. Bon, je peux faire Fina si j'ai besoin de soins. J'aimerais faire... Oh là là, mais si je pouvais faire un... Il faut du jaune. Mais hein, pas des masses de jaune. Sauf que tu m'as dit que l'or, ça sert à rien, donc tant pis, on va faire ça. Bah alors, ça me fait gagner de l'or pour moi. Possible, oui, j'ai pas fait gaffe. Oui, oui, ça m'en fait gagner, j'ai vu le... Oula, oula. Yes. J'ai vu le symbole de l'or briller dès que... Dès que je faisais un truc là-bas. Il me faut du jaune. Hein. Pof. Bon, maintenant... Oh, il y a 3 rouges, là, bien. Bim. On va lui geler ça parce qu'il peut faire un truc, je sais pas ce que c'est. Le tableau est pas ouf là. Hein. Alchimiste. Ah, oh, il me donne plein de rouge, il est sympa. Mais il me faut toujours du jaune. On va prendre ça. Et on va le faire. On va les péter en bas là. Ouais, le plateau est vraiment pas ouf sur ce niveau là. Contre lui. Aïe. Et il me faut toujours du jaune, mais il y en a pas des masses. C'est dommage. Oh salaud, je l'ai pas vu. Oh là. Non, c'est lui qui le fait. Il va faire le rouge. Oh mon dieu. Arrête-toi, donne-moi ça. Et j'ai toujours pas de jaune, hein. Ah, ça y est. Ah, mais j'en ai que 3. Ah, là, je peux avoir un tour supplémentaire. Ok, il y a eu... Un mort. Ah, non, c'est un enfant qui vient... Comme ça. Ah, d'accord, un futur mort. Ouais, peut-être. Il n'y a pas de rouge, donc ça sert à rien que je fasse ça. Bon, on va se soigner un peu. Ah merde, il n'y a pas beaucoup de... C'est là, il y en a 3. Pif, pif. Allez, plus qu'un coup. Ben, on va faire ça. Peu importe. Pouf. Voilà. Eh bien... Vous êtes qui, au juste? Je suis le patron. C'est qui moi, le patron. Quelle connerie. Bon, là, je peux faire juste ça. Parfois, j'arrive pas à voir si je lui fais des bons tours à lui ou pas. Quoi. Ah, y a Tom, il a 84 points de vie quand même. Lui. Non. Aïe aïe aïe. Ah. Là. Ah. Là. J'en vois pas d'autres, donc tant pis. Hop.
Après, oui, c'est beaucoup le hasard. Je sais pas ce que c'est son pouvoir à lui, mais il me fait peur. Genre, c'est multicolore. On va faire ça, tant pis. Oh merde! Oh là 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 là! C'est quoi? Attaque élémentaire. Ah, quand même, ça fait 30! Ouais, bah on va déjà peut-être soigner très vite. Ah, je remets l'alerte du follow de Tom de la dernière fois qu'on n'avait pas vu afficher parce que Ralga avait. Du coup, c'était je le mets quand même. Minecraft. Vas-y. Ouais, on avait mal paramétré. Voilà. Normalement, ça va paraître. Miaou Tom Juni. Voilà, donc Tom m'explique. C'est vrai que ouais, sur Minecraft, malheureusement, les réglages ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Oui. Oui, oui, mais ça sera plus propre pour une prochaine fois. Oh, je peux faire un truc bien là. Paf. Alors, bon, va falloir peut-être commencer à réfléchir parce que. Ah, mais il dit merci, du coup, ben écoute de rien, Tom, c'est normal. La moindre ouais, des choses. C'est normal. C'est juste que comme on avait des petits soucis de réglage. Minecraft, déjà je pensais moi que je pourrais le stream, alors pas du tout, mon PC il m'a dit non. Mais moi sur mon PC ça allait, enfin l'ordi il chauffait pas et tout, c'est pour ça ah que ouais, je suis énervé, c'est dommage. Ça venait d'OBS et du processeur ouais, je sais pas, cherché ouais. On va dire, mais c'était assez bizarre. Mais bon, donc oui, comme sur l'autre PC de Ralga, ça avait pas été on va dire configuré comme il faut le stream, je crois que c'était la première fois qu'il l'utilisait d'ailleurs. Ouais, sur son nouveau PC, nouveau entre guillemets maintenant, mais oui c'était la première fois qu'il configurait tout, donc tout fait à l'arrache, à la va-vite, donc forcément on avait oublié des choses. Ouais, on pouvait pas le faire très vite, sinon on jouait jamais quoi. Pof. Voilà, n'utilise pas ton pouvoir parce que tu me fais peur. Ah, il peut me tuer en fait. J'aurais jamais cru qu'on aurait fait un stream sur un type de jeu comme ça. Oh la vache. Sur quoi? J'aurais jamais cru qu'un jour on ferait un stream sur un type de jeu type Candy Crush. Bah écoute, c'est pas voulu, cela dit, mais bon. Ah non, clairement, mais c'est drôle. Ouais, la prochaine tour il peut me tuer. Si je le tue pas, il me tue. Merde. Faut se soigner. Ça fait que 6 de dégâts. Pfff. En priant que ça passe et qu'il me tue pas. Ah la petite pute. Oh, ça passe. Bim. Eh bien, c'était un peu short celui-là. Est-ce qu'il y a un succès pour tous les tuer ou pas? Parce que là, je suis à 6. Mais il en reste plein. Êtes-vous prêt pour un duel? Bah ouais, apparemment, ils me disent de. T'as une indication comme quoi je gagne un objet si je les fais tous ou. Je cherche. Bon, j'en fais un encore, en attendant que tu cherches. Bah, une fois que vous avez remporté 6 victoires, tu peux aller voir le boss, en gros. Y'a pas un succès caché ou. J'ai aucune. Pour les succès, faut voir directement sur Steam. J'ai pas. Ah, je vais chercher ça, mais. Bah là, je peux. Je vais regarder. Je vais regarder. Ouais, genre. Vaincre tous les vikings au jeu. Alors attends, c'est les succès Steam Evoland 2 ou Evoland Legendary? Sur Legendary, t'as les deux. D'accord, ah. Donc je vais chercher Legendary alors. Ah, ils sont pas classés. Ah bon? Non, moi je cherchais par Evoland 2 alors. J'ai pas des tours vraiment mirobolants. Hein. Tant pis. Je sais pas si tu l'as fait, mais il est très drôle. Pardon? Il y a un succès, bon, tu as coupé 10 buissons, celui-là, oui. Il me semble que tu l'as bien. Et il y a un succès, tu as tué 100 buissons, tu peux arrêter maintenant. Ah ouais. Je l'ai fait. Je sais pas si le 100 tu l'as fait, je m'en souviens pas. Ouais. Faut y aller, quoi. Bon, là, j'ai fait plein de tours, mais à quoi bon, quoi. Là, il y a beaucoup de verre, on va se soigner un peu.
pas de rouge, hein, putain. Je peux pas faire un gros ménon. Si, là. En plus, j'ai des épées, donc j'ai pu faire plein de dégâts. Nice. Je pense que j'ai gagné. Mais non, je pense pas qu'il y a de succès. Ouais. Le succès, c'est le boss. Ah ouais? Bon. Ouais. Ok. Bon, ben, le boss, c'est qui? je te c'est le pas, chef, je crois, mais... C'est pas lui, non. Non, c'est pas lui. C'est vrai que sur le coup, le chef, je sais pas où il est. Ça, c'est pour vendre, non? Et acheter. Ah oui, il a des trucs vikings. Bon, on verra après. Il est où le chef des vikings? Ah bah oui, il est là. Quoi, vous avez réussi au nom de la grande tortue, vous êtes autorisé à défier notre chef. On va sauvegarder. Pof. C'est un bonhomme de neige. Il est caché dans le bonhomme de neige. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un piège? Non, enfin, je ne crois pas. Malgré leur manière quelque peu rustre, ces vikings semblent avoir un sens de l'honneur assez prononcé. Je n'imagine pas qu'ils utiliseraient la ruse pour nous piéger. Je suis d'accord avec toi, Velvet. D'après ce que j'ai compris, ils doivent combattre avec bravoure pour obtenir la vie éternelle. Je crains le pire pour les habitants du continent si les vikings finissent par... creuser le tunnel et s'attaquer un jour à l'Empire. Je pense qu'il n'y a guère de soucis à se faire à ce sujet. Ah bon? Pourquoi? C'est pourtant évident, Fina. Jamais dans l'histoire nous n'avons entendu parler des vikings. Cela signifie qu'ils ne sont jamais arrivés jusqu'au continent. Effectivement, c'est évident. Mais alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? J'ai une théorie. Je n'ai pas de preuves pour l'étayer, bien sûr. Il faudrait rassembler des documents, fouiller des vestiges. Mais si j'ai raison, quelque chose a provoqué le dégel rapide de ce continent gelé. Et qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer, mademoiselle Velvet? Je ne vous ai jamais raconté comment j'avais récupéré mon livre, celui qui me permet de lancer mon pouvoir de glace. Non, je dois avouer que je suis fort curieux. Jamais je n'avais vu un objet pareil. C'est super pratique, en tout cas. J'aimerais avoir le même. Il s'agit du livre de Boréas. C'est l'une des trois reliques magie légendaires avec la pierre du temps et la clé magie. Je l'ai découvert dans la bibliothèque impériale de Genova alors que j'y menais des recherches sur les magies. J'ai réussi à en traduire une partie, ce qui me permet d'utiliser un petit peu de son pouvoir, mais il doit être bien plus puissant encore. Le livre avait été rapporté à la bibliothèque par l'anarchiviste Largo après une expédition au sud à l'époque de la Grande Guerre. Son récit semble correspondre, il l'a trouvé ici, chez les Vikings. Donc, si je comprends bien, c'est parce que ton livre a quitté cet endroit que la glace a fondu? C'est une possibilité, la fonte du continent gelé est un long processus, mais il se poursuit sur plusieurs siècles, elle pourra entraîner une forte élévation au niveau des océans. Le monde serait alors presque entièrement recouvert d'eau, seules quelques îles émergeraient encore. Cela ne changerait guère l'avenir de mon peuple, d'ici là il ne restera plus aucun démon. Zzz. Yaki, je sais que les longs dialogues t'ennuient et que tu aimerais pouvoir les passer, mais bon, on se réveille et on y va. Ok. Je ne pense pas que ce soit méga cool, mademoiselle Fina. Zzz. Zzz. La bonhomme de neige, il ronfle. Hein, oui, quoi? Quelqu'un m'a appelé. Et il parle! Qui êtes-vous? Ah oui, ça y est, je me souviens. J'étais en train de me concentrer pour le tournoi quand je me suis endormi. J'imagine que vous êtes là pour le duel. Dans ce cas, allons-y. Mais je ne suis pas présenté. Je suis le chef des Vikings. Appelez-moi Jon Snow. Oh merde. Oh merde. Si en plus on lui pose des questions et qu'il sait rien, c'est balèze. Il n'a pas l'air bien méchant, Yaki. Récupérons vite la récompense du tournoi. J'espère qu'il s'agit du fragment de la clé magie. Mon père m'a appris à ne pas me fier aux apparences. Prends garde à toi, ce Jon Snow est sûrement plus dangereux qu'il n'y paraît. Un bonhomme de neige qui parle. Il me tarde de pouvoir étudier ce nouveau mystère de plus près. C'est parti. Alors, vous êtes prêts pour le duel? Non. Comme vous voulez. Ah ah, parce que d'abord, on va faire le Game of Cards avec Jon Snow. Ce qui paraît logique.
On va virer ça et on met ça. Ah, il a 30 points de vie, l'enfoiré. Ça va être dur. Ah, surtout s'il fait des grosses cartes comme ça. Ouais. Oh merde. Allez, boum. Swing. Bon, il faudra bien jouer. Mais il a l'air de sortir des grosses cartes. Hein. Cool. Je peux faire ça. Je peux faire ça pour avoir du mana gratuit. Et ça dégage. Bon, pour l'instant, c'est bien parti. J'ai de l'avance. Oh non, pas le mammouth. Non. Bon, je lui remets 5 au prochain tour. Oula, je peux même faire mieux, si j'y arrive. Ouais, je vais mettre ça. Juste... là. J'ai pas très peur du mammouth, malheureusement. Pour lui. Oh non, mon cheat. Oula, Dalkin. Oh, 7-7 et c'est un archer. Macarel. Oh merde, je vais pas pouvoir le jouer. C'est dommage. Là, il est fort, hein. Le troll. Bon, de toute façon, je pense que j'ai gagné. À moins qu'il ait une carte défonce tout et inflige 20 points de vie. Je ne pense pas que ça existe. Bon, bah c'est fini. Genre, même si je veux pas gagner, là, je vais mettre... Genre, pif et pouf. La prochaine fois, je prendrai ma revanche. Tiens, tu as mérité cette carte. J'ai gagné Jon Snow. Allez, maintenant, on va le battre à l'autre jeu. Oula, il y a la musique de boss et tout. Attends, c'est quoi ce bloc de neige, là? Ça y était pas, ça, tout à l'heure? Ça y était pas. Bon, on va voir. S'il va ramasser le bloc de neige, il va me taper les fesses ou... Oh, j'ai un tour de plus. Ou c'est juste pour nous embêter dans l'avancée du truc. Ah, peut-être qu'il faut en aligner 3. Ah, putain, c'est trop dur. Ça gèle nos pouvoirs. Ah oui, et puis pas que pendant un tour, quoi. Bon, on va faire gaffe à ce que je fais, quoi. Non, je ne veux pas abandonner le combat. Putain. Mais je veux. Je veux pas faire ça. Mais je veux changer le. Eh bien. Ah, ok, c'est bon. J'ai trouvé le bouton. Quel bordel. On va lui mettre des attaques. Donc, on. Attends. Pof. Merde. J'ai mal compté. Voilà, à cause de moi, il peut faire un tour supplémentaire. Attends, mais lui, quand il fait des. Ça le soigne. Ok, là ça va être un peu dur par contre. Genre, si à chaque fois il fait une ligne de neige, moi ça me glace et lui ça fait autre chose, ça va être compliqué. On va faire ça. J'essaie de limiter les dégâts parce que. Et merde. Bonsoir. De toute façon, il faut du rouge. Salaud. Oh, mais il se soigne à chaque fois, ça va être super difficile. Ouais, ça va pas être évident. Mais bon, c'est pas grave. Ça, on est là pour jouer. Ouais. Oh, merde. Il m'a pris le rouge. Salaud. Bon. On va d'abord se soigner ici. Des neiges. Ah. Bon, il y a du rouge un peu partout là. Si je joue bien. Genre, si je prends ça. Ouais. Impec. Non, il a pris. Bon, attends. Je peux faire là. Et en plus, il y a des épées. Donc là, il va prendre des dégâts. Voilà. Il est un peu balèze, Jean-Michel. J'enneige. J'enneige le bonhomme de neige. Bon, il me refaut du rouge. Oh, putain.
fait vraiment mal. Petit tour supplémentaire. Ah bah je peux faire ça. Ah oui, non mais attends, là je peux faire un truc bien. Comme ça au moins j'enlève la glace. Il faudrait... Oh, il y a beaucoup de verre sur cette ligne. Je m'en fous qu'il se heal, il faut aussi que je survive. Quoi. C'est le seul problème. Et je vais le refaire. Parce que j'en ai plein, des verts et des bleus. Donc je vais me battre comme ça. Pour le moment. Là, il y en a plein en haut. Hop. Et je peux le refaire. Ah, pour l'instant, je joue comme ça, hein, c'est bien. Hein. Je me soigne, prends des dégâts, tout va bien. Qu'elle était toute jalée. Et quand il y aura plein de rouge, paf, la pastèque. Là, il y a du rouge. Merde. Attends, là, il y a plein d'épées. Pourquoi faire ça? Parce que de toute façon, j'ai plus de verre et de... Oh! Ça, c'est fait. Alors, où c'est qu'il y a plein de rouge? Il n'y en a pas trois ensemble. Non, je ne veux pas abandonner le combat. Aïe, aïe, aïe. Ouf. J'ai plein de ressources, mais plus de la verte. Bon. Ce serait bien de faire ça là. Pif. Je vais pouvoir le refaire au prochain tour. Et je sais déjà où je vais. Pif. Allez, tue-le! Oh non, un! C'est bon, il est mort. Easy, zéro death. Et bien voilà. Ah, matchmaker. Vous êtes véritablement de grands guerriers. Bien que n'étant pas viking, vous avez réussi à remporter le tournoi. Félicitations, voici votre récompense. Et c'est le fragment de... Ah non, c'est le livre de Boreas. Merde! Un deuxième livre de Boreas, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un artefact unique, il ne peut en exister qu'un seul exemplaire. C'est pourtant possible, s'il s'agit bien du livre que Mademoiselle Velvet a trouvé dans la bibliothèque impériale, il doit en exister une version à cette époque. Votre exemplaire est celui qui vient du futur, mais il s'agit bien du même livre. Merde, si en maintenant vous m'impressionnez, je suis persuadé que vous auriez fait un grand roi pour votre peuple si les démons avaient remporté la Grande Guerre. Je sais pas si c'était gentil comme phrase, parce que ça veut juste remuer le couteau dans la plaie de « ils sont tous morts ». Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'un deuxième livre? On a besoin du fragment de glace de la clé magie. Cérès nous a pourtant dit qu'on trouverait ici. Je ne sais pas où se trouve le fragment, mais nous devons impérativement remettre ce livre à l'anarchiste Largo. Pourquoi? J'aimerais bien savoir... Non, j'aimerais bien avoir un livre de glace moi aussi. Si nous ne lui remettons pas, cela signifie que nous modifierons l'histoire. Jamais je ne trouverai le livre dans la bibliothèque, et jamais je n'irai visiter les ruines magiques sur l'île maudite. Et jamais nous nous rencontrons, les conséquences sont imprévisibles. Elle a raison, Mademoiselle Fina. Nous ne pouvons prendre un tel risque. Moi non plus, je ne veux pas que tu disparaisses, LV. Il me semble qu'on a croisé ce Largo Vinch dans le village viking. Allons lui donner le livre et partons à la recherche du fragment de glace. Ah bon? Ces étrangers sont décidément bizarres. Je n'ai rien compris à ce que vous racontez. Ok. Tu ne sais rien, Jon Snow. Oh putain. C'était prévisible. Je crains que nous n'ayons déjà trop modifié le cours de l'histoire, mais j'imagine que ce n'est rien à côté de ce qui se passera quand nous utiliserons la clé magie. Jamais je n'avais rencontré d'humaine comme Mademoiselle Velvet. Elle semble ne faire aucune différence entre les humains et les démons. Les deux sont sujets d'études à ses yeux. Ploup. Ok. Les étrangers parlent de choses étranges. Ok. Bien, merci pour cette phrase. Ok. Sauvegarde. Mais il est où, Largo? C'est le type du casino? Du Colisée? Bon, déjà, je vais prendre des armes. Tant pis. Il y avait un succès, j'ai vu, c'était avoir 8000 gold. Bah, tant pis.
faut tout pour être mieux. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas changé notre... T'as vu la description de l'arme? Non, j'ai vu les deux autres, mais pas l'arme. C'était quoi? L'arme, c'était... ça aurait pu être une hache, mais il fallait refaire tous les graphismes. Ah! C'est pas mal, en effet. C'est bon, je suis bien se fait. C'est toi, l'argot? Mega Clang! Mais non, mais c'est bon. Oui, non, mais ça, on sait. Ah, bah oui, c'est lui, l'argot. Putain, je suis con. Tiens, voici un livre. Tenez, nous tenions à vous confier ce livre. C'est un recueil très précieux qui date de l'Antiquité magie. Vous devez impérativement le rapporter en bon état à la bibliothèque impériale. Un livre de l'époque magie? Voilà ce qui est extrêmement rare. Je ne sais comment vous remercier. Ah si, tenez, j'ai trouvé ce caillou bizarre. Putain, c'est pas possible. Et voilà le fragment. Voilà, putain. Ok. Encore désolé de ne rien avoir de mieux à vous échanger contre ce livre. Ouais, c'est... Je pense que ça suffira. Je vais continuer à explorer le vaste monde. Bonne chance à vous. Ok, au revoir. Bon, c'était rigolo, les Vikings. Alors, pour les Sylves, il faut qu'on trouve des parents de choses. Bon, déjà, on va reprendre le bateau. Mais il faut être au passé, dans ce cas-là, pour voir ces choses. Voilà, parce que je sais pas le dire. Probablement. Non, c'est pas probablement, j'en suis certain. J'espère pour eux que les Vikings apprendront à nager à temps. Je n'aimerais pas me sentir d'une certaine façon responsable de leur disparition. Bah toi, Yaki, viens me parler si tu cherches d'autres informations sur les fragments de la clé magie. Non, c'est bon, j'en ai assez avec les styles. Il me faut juste avancer comme il faut. Alors, par contre, il faut que je teste combien j'ai de fragments de Mahana. J'en ai deux. Dommage, il m'en faut un autre. Non, pour sortir, faut être là. Je sais plus si c'était au présent ou... On va vite le savoir. Bah non, c'est bon, c'est là. Allez, go. Alors, pour les Sylves, il faut retourner sur le continent et il faut retourner au village. Mais comme le village a été explosé, il faut qu'on y aille avant qu'il explose. Donc il faut, bah ouais, faut vraiment aller au passé, quoi. C'est parti. On a alcoolisé aussi à faire. Est-ce que je fais une tentative? Je ne suis responsable de rien. Bon, je vais faire une tentative. C'était au présent. Bon, de toute façon... Je vais devoir changer. C'est pas possible, c'est sûr. Par contre, je sais plus quand est-ce qu'on peut raccrocher là-haut. Là. Ici, c'est à quelle époque qu'on est en ponton? Je sais plus. On va tenter au présent. Je crois pas que ce soit au présent, cela dit. Qu'il y ait un ponton pour raccrocher. Je crois que c'est au passé même. Bon, on va vite voir, de toute façon. Ah bah je suis au passé, donc go. C'est bizarre, on n'est pas passé par le présent. Ouais, c'était ça, le ponton il est là. Putain. Je réfléchis... Ah bah... Où c'est qu'il y a un truc pour changer d'époque ici? Tu t'en souviens ou pas? Ah bah oui, il y a l'île. Je me souviens pas si en plein continent il y en a un, je crois pas, cela dit. On va à l'île maudite, on va changer. À moins que... ça sert à rien de changer maintenant. Je vais voir s'il n'y a pas les descendants. Parce que de toute façon, les Sylves, c'est sur les trois... Sur les trois époques. Donc en fait, je vais plutôt chercher le... C'est Isabelle. Je vais plutôt chercher le descendant des Sylves. Donc il faut que je retourne là où il y avait le village. Donc c'est-à-dire en bas. Ok, on va tenter. Je sais même pas si je peux y aller. Oh oui, je vois pas ce qui m'en empêcherait.
d'aller en bas. Ouais, alors je vais peut-être pas tout redescendre. Je crois qu'il y avait un ponton en bas. On va voir. S'il y a un ponton, je fais tout le tour. Ou alors par là. Ce serait bien qu'il y en ait un par là. Ah, il y en a. C'est bon. On est sauvé. Pas besoin de faire le tour. Très bien. Alors, on retourne à ce qui pouvait sembler être notre village. Donc à la clairière. J'imagine que tu cherches à échapper à la guerre. Oui. Tu n'as rien à craindre ici, nous sommes loin des troubles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis installé dans le coin. C'est étrange, il me rappelle un peu mon père. Mais oui, vous êtes Finrod. Père de Finrost, vous êtes mon grand-père. Ah ben, ce fut rapide. Ok, le fondateur du village de Nibiru. Jeune fille, vous êtes tout à fait charmante, mais je n'ai pas de fils et je suis trop jeune pour être votre grand-père. J'ai effectivement décidé de fonder un village ici, mais je n'ai pas encore trouvé de nom. C'est vrai que Nibiru, c'est plutôt joli. Oui, je pourrais peut-être l'appeler ainsi. Non, attendez! Bientôt, dans quelques années, vous allez rencontrer quelqu'un, une Sylve, et vous aurez un fils qui sera mon père. Jeune homme, j'ai l'impression que votre ami s'est cogné à la tête. Écoutez-moi, quand ça arrivera, et croyez-moi, ça arrivera. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, demandez à la Sylve de vous attendre en l'an 1000. Non, pas ici, l'arme aura tout détruit. Sur le promontoire, là où il y a la statue de l'empereur, quand il aura gagné la guerre, promettez-le-moi. Oui, oui, ça peut vous faire plaisir, je vous le promets. Jeune homme, votre ami ferait mieux de se reposer, si vous voulez mon avis. Bien, Yaki, on n'a plus qu'à y aller. Donc il faut qu'on aille au promontoire en l'an... 1000. Bah avant. Ah non, sur le promontoire. C'est où déjà le promontoire? Est-ce que c'est... à la forêt, là, en haut? Genre, en haut. Ouais, je crois que c'est là-bas. Bon, on va changer d'époque. À l'île maudite. On va passer au présent. On va aller dans le château. On va tenter le Colisée. Et j'ai toujours pas trouvé le forgeron pour mes minerais. Je sais pas où il est, lui. Alors, il est bien caché. Allez, on prend la mer. Ah, c'est pas l'homme qui prend la mer. Non. C'est la mer qui prend l'homme. Bon, on a dit au château. Mon dieu. J'espère que je vais être plus fort que... Que je me souviens des touches aussi. C'est vrai que c'est la galère. Ah oui, il fallait aller au Wagdo aussi. Mais c'était quand? Bah c'est pas là. C'est au passé. Merde. Merde, faut aller au Wagdo dans le passé. Oui, 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 le Colisée, oui, dépêche-toi. Allez go. Comment on joue déjà? Je sais plus. Ok. Ok, ça y est, je me fais déjà ramasser. Bon, ça fait longtemps. Ah, ok, j'ai trouvé mon coup de pied. C'est bon. Dégage-toi. Venez par là. C'est la technique. Putain. Grosse technique pour Jet Li. Oh là là, mais c'est pas possible. Jet Li, arrête! Tu m'énerves. Ah,
level up en plein milieu, c'est bien, comme ça moi ça me heal. Ça c'est pratique par contre. Je peux pas m'en plaindre. Allez, bim bam boum bam bim. Ah, mais ils sont chiants eux. Arrête Bruce Willis. Oh la vache. Il y a un peu de monde. C'est vrai. C'est bon, Bruce Willis. Ah non, il est pas mort. Salaud. Oh putain de merde. Attends, mais... Je peux utiliser eux ? Mais je savais pas. Mais c'est trop fort. Oh là là, mais j'avais... Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ça fonctionne pas sur tout le monde, apparemment. Il y a que mes noms. Oh, mais si j'avais su... Je serais peut-être moins planté. Ah, j'ai perdu tellement de vie. Vite. On va prendre mes noms. Et on vous l'envoie dessus. C'est la boule. J'en plus. Ouais, c'est trop fort. Mais, putain de merde. Vas-y, mettez-moi en ligne. Merci. C'est le bowling. Mais je savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est trop bien. Je suis dégoûté. Allez, là c'est bon, ça passe. On continue. On les fout par terre, on est content. On continue. Ah! Ah non, quoi? Y'a tout le monde avant? Bonsoir. On le prend. On les aligne comme on peut. Mais oh! Putain de Jackie Chan! Jet Li, salaud. Non, mais Jet Li. Mais. J'ai encore crevé. J'en ai marre. De ce niveau pourri. Y'en a combien là? J'en sens deck. Ok, bon bah c'est fini. Voilà. Oh putain. Mais je comprends pas. C'est trop dur. Genre sans déconner, je comprends pas. Je sais pas ce que je fais de mal. J'essaie d'esquiver, j'y arrive pas. C'est vrai qu'il a une vitesse de déplacement, le Jet Li. Ah mais c'est trop... Non mais même lui là, son coup de poing, il fait 3 mètres en... En donnant un coup de poing. C'est trop chiant. Mais pour mes noms, je savais pas, mais c'est trop bien. Pourquoi je l'avais pas eu avant? Aïe aïe. Arrête. Voilà. Toi aussi. Oh non. Je n'avais pas le coup de poing fatal. Merci. Il me manquait 1 mm, quoi. Mais bordel! Sauf que là, je vais pas pouvoir faire de niveau. Là. Peut-être, je sais pas. Ça m'étonnerait. Il faut continuer ça. Sauf contre eux, parce qu'ils sont chiants, voilà. Oh! Moi, on a eu Jet Li. C'est pas possible la longe qu'ils ont, quoi. C'est juste incroyable. J'ai l'impression d'être encore plus nul qu'avant, quoi. Bon, ben, c'est mort. Génial! Ah, c'est vraiment le mini-jeu de l'enfer, ça. Hein. C'est celui qui a inventé ça, il se faisait chier. Hein. Ouais, j'ai perdu! Mais putain, mais... C'est trop dur, quoi. C'est juste trop dur. Déjà, j'aime pas ce style de jeu, mais alors là, c'est vraiment trop dur, c'est même plus dur qu'avant, quoi. J'arrive plus à faire le coup de pied en l'air. Pas celui-là, l'autre. Genre, j'y arrive plus. Genre, c'était celui qui tournoie, là. Comment on fait?
Oh bordel. Mais j'ai été chiant quoi. Genre je sais qu'on fait un uppercut, mais alors... Genre c'était au maximum de ton saut que tu appuyais et puis c'était ça quoi. Mais je sais pas, ça fonctionne plus. Bon. Ok, ça c'est bien. Mais putain, mais... Il y a des fois ça passe et il y a des fois ça passe pas du tout parce que le jeu a décidé que non, t'arrêtes. C'est chiant quoi. Bon, je pense que le Colisée, j'y remettrai plus jamais les pieds, fuck off. C'est... ça me gonfle en fait. C'est t'as rien qui... Ça rapporte une carte à la fin. Hein? Ça rapporte une carte à la fin. Eh ben c'est pas grave, hein. Dans celui-là je ferai pas toutes les cartes, hein. C'est juste chiant, pour être chiant. C'est, il y a des... Parfois t'as les trucs qui passent, parfois t'as les trucs qui passent pas. Pourquoi? On sait pas. C'est le grand mystère de la vie, quoi. Genre parfois je me mets là, je peux les défoncer tranquille, et parfois je me mets là et c'est moi qui me fait éclater. Là tout va bien. Je comprends pas. C'est sans déconner, je comprends pas. Là tout à l'heure, eux ils m'ont défoncé et là ça va. Non. Putain mais. Et allez. Mais putain mais. Ah mais c'est incroyable quoi. Quand le jeu veut pas, il veut pas. Il te dit non. Mais alors il fait pas ça moi, il te dit non. Oh putain. Oh là là. Mais j'arrive même plus à arriver au boss quoi. Ah non, j'y arrivais tranquille. C'est parce qu'il y en a beaucoup plus parce que j'ai plus de niveau ou quoi. C'est mon dernier essai. Ça m'énerve tellement, quoi. Genre, le coup de pied aérien... Ok, parce que je me trompais de bouton. Maintenant, je sais comment on fait. Ouais, mais je sais plus, moi. Depuis. Tiens. Putain, mais... Mais t'as pas un bouton pour parer, ça, c'est chiant, aussi. Parce que contre eux, j'aimerais bien parer, mais je peux pas. Paf. Mais là ça passe, je comprends pas plus. Je vais pas chercher à comprendre, hein. Je les matraque et puis c'est tout. Ah pas eux par contre. Putain de jet de lit. Mais oh bordel. J'arrive pas à le frapper. Il m'impressionne, il court trop vite. Oh bordel. Mais... J'arrive pas à le toucher, ça m'énerve. Tiens, putain. Faire un niveau au bon moment. Tiens, ça vous apprendra. Merde, j'ai dû y passer. Toi, dégage. Y'en a un autre? Oui. C'est pas grave, j'ai dû peut pas me toucher. Il est nul. C'est pas vrai. Vas-y, reviens là. Oui. Meurs. Bon. Allez, vague 9. Vague 10.
Merde, c'est bon. Merde. Boum. Paf. Oh là là, je suis un monstre. Bon, il vient le boss là ou... Oui, c'est bon. Bon alors. Non, vous cassez-vous. Hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. Ça y est, c'est parti. C'est les coups de poing de la mort. Ceux qui traversent 5 km cubes et voilà. Oh là là. Ça pour voir la carte du capitaine Ababa quoi. Oh bordel de merde. Ok. Je sais pas comment j'ai esquivé celui-là, mais bon, c'est fait. Le temps que j'y arrive contre lui, fin... Ah ça y est, il est devenu débile. Allez, viens par là. Vas-y, refais-le. Ah, merci. Non. Allez. Merde. On vient par là. Voilà. Oh merde. Reviens. Attends. Pourquoi j'utilise pas mes noms? Déjà pour clean ça. Vite. Vite! Quoi? Non mais non. C'est une blague, je déteste ce jeu. Ah, c'est vraiment de la merde. Y a pas d'autre mot, c'est nul à chier quoi. Je lui ai envoyé mes noms dans la gueule. Non. Il a dit non. Il a refusé. Oh putain. Dommage. J'en ai marre. Ok. C'était ridicule. Ok. Mais faut faire un effort parfois les gens. Tiens, toi tu m'as saoulé. J'en sentais que je lui envoyais mes noms dans la tronche. Mais non, ça dit non. Je perds trop de vie contre les mecs de base quoi. Ça que chiant. Allez, super, je prends un coup de poing, je sais pas d'où, mais... Genre mon pied, il est pas assez fort. Putain de merde. Ah, oh, je suis déjà mi-vie, quoi. Allez, donnez-moi plein d'XP, s'il vous plaît. Faites un effort. Hein. J'ai besoin de niveau, là. Ça va jamais le faire. Genre, vraiment, ça va pas le faire. Toi, dégage. M'en souviens. Merde. Ok. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais j'y suis arrivé.
Allez, plus d'XP, s'il vous plaît. C'est dommage. Ils sont passés, les jet-ki. Ouf, en moins. Oh, mais il me faut de l'XP, faites un effort. Il va me rester un carré d'XP, là. Je vais chialer. Ah, il me reste 45 points de vie contre Klaus, quoi. C'est bon ? Bon, bah c'est la fin. Lui, il va m'enlever 20 points de vie. Ah, c'est bon. Allez, c'est parti. Meurs. Putain, ça lui fait mal. Oh, mais sans deck. Il était en période d'invincibilité, là. Oh là là, j'ai eu de l'amour, là. Ouf. On se casse. Tiens, prends mon ménon. Non. Mais bordel de merde. Voilà, j'avais peur qu'il dash là. Meurs par ménon. Mais... Putain mec. Je comprends pas, t'en as un qui tombe et l'autre il te dit non. C'est les petits qui vont me tuer, je pense. Allez, dash maintenant. Non, j'ai pas failli mourir. Oh non, oh la vache. Il me fait peur ce machin. Vite, vite. Pof. Oh. Non, c'est mort. Bon, bah tant pis. Oh là là. Moi, une dernière. Oh. Bah ouais, bah, ça me fait chier. T'as qu'à pas me dire qu'il y avait l'existence de ça. Hein. Très bien comment je suis, moi. Bon, je vous retrouve, je vous revois au prochain stream, il fera encore. Non, promis, c'est ma dernière des dernières. Promis. Je déteste finir sur une défaite et je déteste quand le jeu est comme ça, là, genre... débile. Parce que là, sans déconner, c'est vraiment débile. Tiens! Tiens! Et là, le pire, c'est que je vais prendre mon niveau au pire des timings, c'est-à-dire au début, quoi. Mais, putain, mais... Je comprends pas. J'arrive, le pied devant, il y en a, ça passe très bien, et eux, non, genre... Non, arrête, fais pas ça, s'il te plaît. Ah, merde, j'ai pas eu le jet. C'est bon. Oh non, j'ai pas fait dans mon sens. Mourez, mourez. Allez. Là, c'est la grande vague. Il y a les rouges qui vont arriver après eux. Voilà. Là, il y a du monde. Hop. Oh non, je me suis trompé. C'est pas grave. Là, c'est bien. Au moins, je prends mon niveau au bon moment. Après, m'être fait péter la gueule. Ça reste pas trop mal, quoi. Ça aurait pu être largement pire. T'as les punks, ils sont beaucoup de fiches.
aux autres. C'est Jackie Chan qu'il faut pas laisser passer, mais il va trop vite. J'ai pas le temps de l'anticiper. Allez! Je continue à me battre contre un faible, contre Alibaba là. Merde, il est passé. Oh putain. Mais je suis dans le mauvais sens! C'est bon? Allez. Jamais non, fais gaffe. Ah, il va lâcher. Merci. Tiens, mange mon ménon et mon coup de pied. Et mon ça. Oh, mais merde! Je peux pas me concentrer sur tout le monde, par contre. C'est... L'autre, il est en train de me matraque, là, le... Tiens. Je prends mon ménon. On va essayer d'aligner les gens. Genre ça, là. Eux, ils m'énervent. Bon, le boss aussi est fort, mais... Enfin, pas quand il fait ça, par contre. Là, c'était nul, monsieur. Arrêtez. Non, mais j'ai dit arrêtez. Si vous faites n'importe quoi... Ah, tiens. Vite. Ouais. Bien plus, je tue ça, tranquille. Merde. Je l'ai fait deux fois, alors que je voulais pas. Vite, prenons le ménon. Oh la vache, je l'ai vu passer près. Bon. Vite, vite, vite. Boum. Boum. Vite. Oh non, c'est bon. Pas les couilles. Vite. Baf. C'est bon, ça se passe. Ah. Parfois, il passera en près. Ouais. Mais dommage. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne, non? Juste un ménon à lui envoyer. Oui! Il est mort, le soleil. Alléluia. Oh, ça m'a donné tellement de gold. Bon, ok, mais c'est pas mal. Eh ben, c'est pas trop tôt. Et maintenant, je fais quoi? Quoi, ça continue? Non, ça on m'a pas prévenu. Oh non, mais je me fais rect. Mais c'est quoi ce pins? Ouais, allez, on se casse, hein. C'était bien. Ouais, vous avez battu le chef. C'est quoi, ouais, cette bravo. Mais en fait, vous êtes super fort. Je veux dire, on ne dirait pas comme ça avec vos petits bras. Ta gueule. Pardon, je ne voulais pas vous offenser, ouais. S'il vous plaît, ne me tapez pas. Tenez, voici pour m'excuser. Une carte pourrie. Eh ben, il y a d'autres récompenses plus loin ou pas du tout? Plus loin, qu'est-ce que t'avais plus loin? Bah genre vague 20, j'en sais rien. Ah, je ne sais point. Eh ben moi non plus, je veux pas y aller. J'irai quand on aura fini le jeu un jour. C'est où le promontoire déjà, j'oubliais. Genre c'est là-bas? Oui, c'est là-bas le promontoire. Ouais, c'est ça. Donc là, normalement, il devrait y avoir ben, le rendez-vous des choses, là. Des deux. Ah, il y a un truc qui brille. C'est quoi? C'est une sylve. Grand-mère. Fina, tu n'as pas changé. Comment? C'est la première fois. Nous sommes déjà rencontrés lorsque tu es venu dans la forêt des Sylves, c'était il y a si longtemps. Mais pour toi, c'est encore hier, j'imagine. Mais je ne me souviens pas. Oh, nous ne sommes pas en beaucoup parlé. Je n'étais alors qu'une petite Sylve parmi tant d'autres. Mais après vous avoir vu, vous les humains, remplis d'espoir bouillonnant de vie, j'ai voulu parcourir le monde moi aussi. J'ai donc quitté la forêt à jamais. Même si je savais que je ne vivrais pas longtemps en faisant ce choix. Et c'est comme ça que tu as rencontré Finrod? Oui, j'ai d'abord visité tous les lieux...
dont je n'avais qu'entendu parler. Le monde est si beau et fragile, chaque jour est si différent. C'était la première fois que je ressentais une telle liberté. J'ai fini par rencontrer ton grand-père, Finrod. Il a d'ailleurs été très surpris de rencontrer une Sylve. Bien des années plus tard, alors que ses dernières forces s'évanouissaient, il s'est rappelé qu'il avait promis à une jeune fille un peu folle que je rejoindrais ici. Depuis ce jour, je t'attends. Oh, grand-mère, je suis désolé, tout ce temps, tu étais si proche. Je n'ai aucun regret, Fina. Certes, ma vie a été courte, mais en quelques années, j'ai ressenti plus de choses que pendant l'éternité que j'avais passée dans la forêt. Je suis seulement triste de devoir quitter ce monde, de ne pas avoir pu te tenir dans mes bras, de ne pas t'avoir vu grandir, être heureuse, de ne pas pouvoir t'aider dans tes aventures. Oh, grand-mère, mais tu m'aides. Chaque fois que j'utilise mon pouvoir pour aider Yaki, tu es avec moi. Merci, merci ma douce Fina, merci ma petite fille. Vis chaque jour comme si c'était le dernier, profite de chaque instant car le temps passe si vite. Je te laisse ceci, c'est mon cadeau d'adieu. Grand-mère! Adieu. Ok. C'est quoi son cadeau? Ah bah oui, la larme de Sylve. La mort, c'est toujours triste. Non. Mais putain, mais... Quelle bande de connards. Putain. Quelle bande de gros bâtards. Oh merde. Attends, mais... Oui, je peux retourner maintenant au Sylve. Ah, mais au présent aussi, il y a le ponton. Bon, tant mieux. Aïe, aïe, aïe. Bon. Au moins, on peut avancer les Sylves sans aller voir machin, chose, truc chouette. Ah, je sais même pas rentrer sur un ponton. Forêt des Sylves. Bon alors, vous avez l'arme de Sylve, prenez garde à ne pas vous perdre dans le bosquet sacré, les différentes époques s'y mêlent. Ah merde. Bon, eh ben on va bien voir. Hein. C'est parti. Bon. C'est quoi ça, c'est un radis? Attends, ça, il y a Fina qui peut le couper, c'est ça? Ouais. Ça remonte à longtemps. Mais... Ça, c'est quoi? C'est pour changer d'époque. Ah, mais à cette époque, les radis sont pas poussés. Et c'est quoi ça? Ah, ok. Bon, on va peut-être éviter. Ah, ok. Ah, je peux pousser ce rondin. Pour aller là. À quoi ça sert? À rien, putain. Attends. Non, à rien. Bon. Bon, on va monter. Ah, ça risque d'être long. Ici. Ouais. Ah! Je peux taper les machins, d'accord. Bon, j'ai essayé. Ben ici, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et si je descends, je peux taper Jean-Yves. Mais il va où? Attends, voyons voir. Ah, j'ai peut-être compris. Ben oui, faut utiliser ça pour le faire bouger vers le bas. Enfin, je pense. Oui, c'est ça. Ok. Donc là, il me casse plus les pieds, lui. Ensuite, là, il y a du vomi. Là, il y a un truc, on sait pas quoi. Je peux pas avancer, là. Ah, attends, peut-être qu'il faut que je reprenne une époque, ça va débloquer un autre truc. Oh mon dieu, j'ai mal à la tête. Mmh.
Ah oui, l'arbre là, il est plus dans l'eau. Ah oui, d'accord. Et au futur, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que le jaune c'est le futur. Eh ben, ça a mis du temps à charger. Ok. Bah, ils ont pas l'air énervés, eux. Ah, et si? Si je le pousse. Là, il va être en face du méchant, donc ils vont s'entretuer, non? Je sais pas, on va voir. Attends, je vais voir là-bas si j'y suis. Vu que j'ai pas fait le futur là-bas. Bah non, il y a toujours le machin. Ok. Bon. Hop là. Donc on revient là. Oh bordel de merde. Ok, donc là. Ils sont censés se faire mal les deux, non? Oula. Merde, faut aller dans... passé. Mon dieu, s'il faut jongler comme ça à chaque puzzle, ça va être long. Genre vraiment. Bon, on va pas tuer les blobs à chaque fois parce que sinon je vais y passer 20 ans. Là maintenant, dites-vous bonjour, aimez-vous. Faites des bébés, j'en sais rien, faites un truc. Genre là, tuez-vous. Vous voulez pas? Bon, tant pis. Moi je m'en vais. Ok, donc là on peut passer. Pourquoi ça s'est fermé derrière moi? Bon, c'est pas grave. Voyons voir ce qu'il y a là à cette époque. Ah merde, il bloque tout lui. Ok, donc là, c'est pas bon. Donc voyons voir ici si je peux faire quelque chose. Est-ce qu'il y a un truc à pousser en attendant? Bah là, il me voit pas, pourquoi? Je pense qu'au futur, ils bougent plus en fait. Ils font rien de... Toi, monte. Ok, ça doit être ça. Ouais, je pense qu'au futur, ils attaquent plus, en fait. Ouais, donc là, ils s'attaquent, mais il m'a tout bouché. Ok, tant mieux. Là, ça va se clore devant moi. Des champignons. Ok, il y en a qui sont par terre, d'autres non. Là, il y a un truc pour changer une époque. Là, il y a un arbre chelou. Tu viens pour aider notre gardien. Moi et mes semblables, nous allons t'aider. Écoute nos conseils si tu es perdu. Quand ils sont grands, les tomatoses peuvent empêcher les sadistas de te voir. Ok. Qu'est-ce qu'un tomatos? Qu'est-ce qu'un sadistas? Alors, il y a un arbre qui donne des indices. Il te faut... Oui. Pour ne pas rater quelque chose, t'as des buissons à taper. Ce que je vois à l'écran. Et voilà, bon, bah, écoute, fais ta vie. Bah, je vois rien, moi. Attends, il y a de l'eau. Là, il y a de la glace. Là. Ouais, c'est là, mais c'est pas à cette époque. Ok. Ah, tomatose. Donc, en fait, faut passer en même temps que le tomatose si je veux survivre à ça. Très bien. Et bon, on va rechanger l'époque. Graph stylé, la version graphique du futur. Ouais, ils sont sympas, les graphismes. C'est vrai. Attends, là, il y a des choses. Bon, il n'y a rien. Mais attends, je peux pas changer d'époque, là. Merde. J'ai loupé un truc, je sais pas quoi. Attends, peut-être qu'il faut vraiment passer en même temps que la tomatose, mais... Avant de changer. Peut-être qu'il y a un truc de l'autre côté, là-bas, mais je le vois pas. Ouais, il y a un chemin. Comment je fais pour l'arrêter? Oh, la conne. Ok, bah j'ai pas tout compris là. J'avoue que je n'ai pas tout compris. Ils ont dit de passer en même temps que la tomatose. Sauf que j'ai pris la tomatose dans la gueule. Ça aide pas. Là, elle arrive. Mais... Bon, il y a un truc à faire. Faut que je reparle à l'arbre parce que j'ai pas tout compris apparemment. Est-ce qu'il faut geler la tomate? Non. Attends. Quand ils sont grands, les tomatoses peuvent empêcher les sadistas de te voir. Quand ils sont grands. Oh putain. Mais
je peux plus changer d'époque, c'est ça le problème. Quand ils sont grands. Est-ce qu'il faut que j'utilise Fina? Tu vois les champignons? Ben oui, mais... présent et passé, utilise Menos pour les écraser. Ah, putain, d'accord. J'avais pas fait attention à ça. Ouais, d'accord, donc maintenant je peux faire ça, quoi. Genre, pouf. Ok. Ah, et puis c'est bien, quoi, vu que le CD est pas long. Donc, quand ils sont grands, là on va arriver. Alors, attends. Ah, il y a un coffre là-haut. Mais il est caché. Ah, c'est un coffre du... Attends, ça c'est un coffre du présent. Là, il y a un coffre du passé. Bon, attends. Déjà, on va faire ça, là. Genre, pouf. On sait jamais. S'il me le propose là, c'est que ça va être utile après. Ok, donc là, on est au futur. Lui, il me fait plus rien. Ah, ben, j'ai bien fait. Donc, je peux passer là. Là-bas, je peux y aller aussi, mais à quoi ça sert? Ben, ça sert à avoir un coffre ici, très bien. Ouais, une étoile. 18 sur 30. Oui. Pas mal. C'est la numéro 26. Ah ouais, il m'en manque 8, quoi. Et l'arbre. Il parle encore. Ouais, quand ils sont grands, les tomates, mon cul. Voilà. Mais là, ils vont être grands. Mais là, je m'en fous, en fait. Qu'ils soient grands ou pas, je peux passer. Enfin... Ah, merde, j'ai gelé le tomatose. Ok, et quand il est comme ça, il veut pas bouger? Ah, bordel, bon, bah, je suis bloqué au futur, ici. Mais là, je peux reprendre... Attends, bleu, c'était quoi? C'était... Je sais plus, putain. Attends, parce que je peux aller là. Non, là, c'est par là d'où je viens. Je peux pas aller là-bas. Je sais plus ce que c'est, le bleu. Ok, le bleu, c'est le présent, le jaune, c'est le futur, et c'est le vert, le passé, d'accord? On va dire ça. Donc là, il doit être un peu plus grand, tomate pourrie. Ah, mais elle peut être gelée. Mais là, j'ai pas besoin de la geler, j'ai juste à passer avec elle. Non? J'espère. J'ai pris des dégâts, mais c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. Ok, j'ai pu passer, ça s'est fermé derrière moi. Donc là, apparemment, je peux retourner au futur pour éviter de prendre des dégâts. Mais on va quand même explorer ce qu'on peut faire. Bon, ok, on peut rien faire. Si! Là, il y a une tomate, encore. D'accord. Je pense que là, il faut la geler. Mais quoi? Mais il n'y a même plus l'animation! Oh là là! Mais quel bullshit! Je sens que je vais vraiment pas m'amuser sur ce niveau. Oh putain. Ouais, je vais la geler là, quoi. Là, je peux passer. Mais là, oui. Et tout à l'heure, il voulait pas. Mais c'est un peu con. Je vais quand même le retenter, hein, parce que je suis con, moi, comme enfant. Genre tout là. Ah putain, c'est quand elle passe le... Genre... Quand elle le passe la première fois, là, je peux la geler, je peux passer. Ok. En plus, il y a Francis Cabrel, là. Putain, c'est pas possible. Et comment j'y vais, là-bas? Merde. Donc, lui, il faut le pousser, je ne sais pas comment. Bon. C'est un peu le bordel, ici. On va repasser au futur, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, la tomate, elle est là. Ah, mais là, de toute façon, ça sert à rien. Hop. Alors, là. Parce qu'il y a des coffres et tout ici, mais c'est pas la bonne époque. Ça, c'est l'époque du passé. Sauf que lui, il faut le pousser. Donc, première chose... Ah mais si je le pousse, il va me tuer. J'ai pas réussi. Très bien.
pourquoi je réussis pas. Bon, ok, là il me manque un élément. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, lui il dort. Lui il dort, mais je peux pas le foutre à l'eau. Genre, ce serait complètement con. Le champignon, je peux pas le toucher là-haut. Attends. Si je me mets là. Non, mais non, il peut pas l'écraser. Très bien. Donc c'est pas un problème de lever ou descendre le champ... Enfin, si. Techniquement, oui, quelque part. Mais comment de là, je peux empêcher l'arbre de me foutre une aura, ça. Bon, ça se règle pas à cette époque. Ok, là, je peux pas passer. Attends, mais s'il faut, il faut que je le gèle et que je passe après. Merde. Putain, j'ai fait le con. Je vais voir si ça passe à travers le mur, ça m'étonnerait. C'est bon. Donc là, je peux passer. Mais là, je peux rien faire. Ici. Ah, ça fonctionne. Alors, je sais pas si j'ai cassé le jeu ou pas, mais... Ça fonctionnait, du moins. Oh non, je le tente pas, tant pis. Allez, refais le tour. Toi, t'es pourri. Ah! Ok. Donc là, j'ai changé le champi. Est-ce que je peux voir ce qui se passe? Bah oui, je peux, d'ici. Reprendre là. Ok. Donc là, je peux pousser chose. Mais à quoi ça sert de le pousser là? Bah, je pourrais passer dans une autre époque, j'imagine. Bah oui, parce que je peux pas taper là-dedans. Ok. Donc là, je pourrais... Ouais, va vraiment falloir que je fasse gaffe. Donc on revient ici. Faut pas trop être en ligne, sinon je vais me faire défoncer par l'arbre maintenant. Ça passe? Ouais, ça passe. Ok, qu'est-ce qui se passe? Venir me déranger qui ose. Oh non, c'est l'arbre Yoda. Ah mais faut le taper? J'ai pas envie de le taper. Attention, Yaki, il a l'air particulièrement dangereux. Vachement, quoi. Compte sur moi, je vais mettre toutes mes forces dans cette bataille. Attendez, il s'agit certainement du gardien de la forêt. Ah oui, peut-être. Et dire qu'on a failli le tailler en copeaux. Nous vous présentons nos plus sincères excuses, monsieur le gardien. Je ne sais s'il peut nous comprendre. Il ne semble guère en bonne santé. Essayons d'utiliser l'alarme de Sylve. Ouais, c'est une bonne idée, ça, tiens. J'aurais même pas pensé. Plouf. Ah, faut quand même que je la pose. Bon, d'accord. Plouf. Il a l'air heureux. Vous, de l'influence néfaste des sadistas, m'avez guéri. Grâce... merci à vous, jeunes gens. Je suis ravi que vous soyez guéri, gardien de la forêt. Les gardiens que nous avons rencontrés avant, vous étiez plutôt agressifs. Vous récompensez, je dois. Malheureusement, peu de choses je possède. L'oracle nous a dit que les magies vous avaient confié un fragment de la clé magie. Oui, ce fragment je possède, et vous le confiez, je vais. Bon usage, faites-en, car dangereux il est. Nous tâcherons de nous en rappeler, vénérable Arbre Yoda. Déjà ? Ouais, enfin, il y a un bon... ouais, va falloir que je quitte la forêt maintenant. Cependant, triste je suis. Vous de ce bosquet sacré êtes désormais prisonnier. Oh putain. Prisonnier ! Mais pourquoi ? Les sadistas, le bosquet sacré envahit. Les étrangers s'échapper ne peuvent. Mais c'est affreux, pas question que je reste coincé ici. La force je sens en vous, jeunes gens. Peut-être vous aider elle pourrait. Oh putain. Elle, mais qui donc ? Peut-être que la trouver vous pourrez. Mais sûrement elle vous trouvera. Il y a une façon fort étrange de parler. Oui, un peu. Il faut qu'on la trouve. Je ne veux pas rester coincé toute ma vie ici. Je me demande bien de qui il voulait parler.
Bah, en vrai, on sait pas. Allez, go. Non, de l'autre côté. Il y avait un coffre. Alors, il y a une tomate. Oh putain de merde. Je peux pas passer. Bon. Faut passer par là. Ah. Merci d'avoir aidé notre gardien. Moi et mes semblables, nous allons t'aider. Écoute nos conseils si tu es perdu. Continue à la chercher si tu veux pouvoir ressortir de la forêt. Ouais, merci, j'avais compris jusque là. Merde. Pas au bon moment. Ok, ça passe pas. J'ai vu les bulles après, quoi. Ah, faut vraiment le faire au millimètre près. Voilà, c'est bon, y a pas de bulles. Très bien. Ok, donc lui, il bougera pas, lui non plus. Pff, quel bordel. Je sais pas comment je vais faire pour avoir mes coffres, là. En vrai. Tiens, un pot. Oh merde. Oh non, c'est Navi. Hey. Mais pourquoi tu me réveilles? Je dors depuis à peine 12 ans. Laisse-moi me reposer tranquille. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et d'abord, t'es qui au juste? Quoi? T'es venu chercher le truc magie? Et maintenant, t'es bloqué dans le bosquet? Mais quel imbécile, fallait pas venir ici. Comment? Tu sais pas comment détruire les sadistas? C'est pourtant simple, suffit de demander à un troncodile de les cramer. Mais comment on fait pour le demander, quoi? Tu sais pas parler aux monstres de la forêt? C'est vrai que vous êtes les humains, vous êtes carrément limités. Mais vous avez de la force. Ces gros fainéants de troncodiles veulent jamais se bouger, mais toi, t'arrives à les faire pousser, je t'ai vu faire. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais t'aider à causer aux troncodiles. Et toi, tu vas m'aider à cramer les sadistas. Après tout, t'as aidé le vieux, alors je peux bien faire ça pour toi. Ça te va? Oui. Mais je me suis pas présenté. Oh merde! Bon, elle s'appelle Naoui. J'ai pas pu le changer. Et viens pas te plaindre que je parle trop. Naoui a rejoint l'équipe. Ok. Et ces coffres là, je les veux moi. On fait comment, Navi? Ok. Bon. Mais tous ces coffres, on dirait que je peux les prendre dans d'autres époques en fait. Bref. Là, on va utiliser Navi. Genre, hey! Oui, eh ben. Ok. Très bien. Ça l'a brûlé. Donc maintenant, je peux faire le tour. Mais ah, je peux pas redescendre là, il veut pas. Ah, il y a un coffre là-bas, putain. En fait, les coffres, ça va être dur de les choper. Ouais. Ok, donc là, est-ce qu'il brûle les radis? Eh, hey, je l'ai deviné, je suis trop fort. Le mec. Bon, on est au futur, donc là, personne ne me tape, et je peux aller chercher mon coffre. Putain, c'est pas un coffre du futur. Et avant, est-ce que c'était un coffre du futur? Il est où, déjà? Là, ok, ça, c'est un coffre du futur. Très bien. Ah, de la gelée verte, génial, on adore. Bon. Là où il n'y avait plus rien, donc on continue par là. Alors pour l'instant, je peux aller là. Oula. Il y aura un troncodile qui devra se réveiller. Il faudra faire le tour avec lui. Et là... Ah! Là, je pourrais... Bah, à quoi ça sert? Bon, on verra. Ah ben oui, je peux pas passer du tout, là. Donc il faut que je fasse. Mais je veux les coffres. Genre, ici. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que si je rebaisse le champignon, je me fais défoncer.
Bah oui. Je suis un peu perdu. Et si je reviens là? Bah non, ça c'est le futur, donc on s'en fout. Attends, mais est-ce que... Marilyn... Hey, je suis dans une autre époque, viens me y rejoindre si tu veux que je t'aide. Quoi? Ah d'accord. J'avais pas compris. Bon, il y a un puzzle, je le comprends pas. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Navi peut voyager très loin, mais uniquement dans son époque. Ah, si elle peut voyager très loin, ça règle le souci. Hey, je suis dans une autre époque. Merde. Faut que je retourne au présent. Et comment? Comme ça. Oui, mais là... Ah, mais elle a dit qu'elle peut voyager très loin. Vite, 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 vite. Putain, j'ai du cul. Ok, donc là, le sadista, c'est mort, donc je peux reprendre le futur. À l'aide. Et je peux passer ici. Très bien, il n'y a même plus la tomate, on s'en fout. Là, il y a un sadistas. Là, il y a des trucs à faire ici. Il y a un coffre ici. On s'en fout. Est-ce que lui, il faut le pousser? Oui, il va nous permettre de prendre une autre époque. Enfin, avec le présent, je vais pouvoir faire 2-3 trucs. Et lui, est-ce qu'il faut le pousser? J'ai envie de dire oui, par pur principe, sinon je vais pas passer. Paf. Ok. Donc là, on a tout dégagé. Elle est dans le présent. Putain. Comment j'ai mes coffres? Le jeu, je m'en fous, les coffres, c'est bien. Bon, là, ça sent le pourri. Mais là aussi, ça sent le pourri. Attends, on va voir si je peux utiliser Navi. Pour voir où elle peut aller. Elle peut pas aller là, elle peut pas aller là. Elle peut aller là. Elle peut pas aller là. Merde, et le truc, il est là-bas. C'était peut-être pas la bonne époque pour... Ouais, il me manque peut-être du setup dans le passé. Comment je vais au passé, déjà? Ah oui, celui du bas. Si tu sais à un moment que je peux prendre un coffre, n'hésite pas à le dire. Genre, hey, c'est maintenant que tu peux le prendre parce que t'as débloqué 6, ça. Attends, mais lui, je peux le prendre, lui. J'essaie de suivre, mais bon. Non, mais lui, je peux, en fait. Maintenant. Attends. Oui, lui, je peux, maintenant. Faut que je prenne le présent. Oh, putain. Faut faire des allers-retours de partout, quoi. Genre, oui, lui, maintenant, je peux. J'ai les 3 époques dispo, donc je peux y aller, là. Toc. Ok, un coffre en moins. Et celui du bas, par contre, je sais pas. C'est... J'ai dû faire une connerie, celui d'avant, j'ai pas pu le prendre. Je pense que j'aurais pu, mais j'ai pas réfléchi comment. C'est pas grave. Ok, donc ça, c'est bon. Je suis un petit peu paumé. Ouais, je comprends. Moi aussi. Il y a beaucoup de choses à faire, là. En même temps. Donc là, ici, je sais même pas s'il faut que je coupe, là. Ça repousse à chaque fois. Peut-être que là, il y a un truc que... Ah, non. Putain, mais je peux pas passer, là. Bon. Il me manque un truc. Mais quoi? Genre, si je passe au futur, je peux passer là, derrière. Mais à quoi ça sert? Bon, pour l'instant, bah, la solution, ça reste le futur, quoi. Donc, on va voir au futur.
Merdeux. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah ben là, je suis un imbécile heureux, moi. Bon, c'est pas grave. Et oui, parce que sans ça, je peux pas pousser là. Parce que lui, il faut qu'il tue lui. Ok. Mais pour y aller, ça c'est une autre histoire. Genre, comment j'atteins ça? Mais je sais comment, t'es idiot, Eric. Pouh. Alors, je suis vraiment idiot. Bon, c'est pas grave, au moins j'arrive à avancer. L'heure arrive. Qu'est-ce que je fais? Vu que je vois pas de point de sauvegarde. Ouais, le problème c'est qu'il me faut attendre un point de sauvegarde parce que sinon je vais tout perdre. Ouais. Bah, je me dépêche de. Là, déjà ce puzzle, j'ai réussi. Enfin, j'ai compris. J'ai juste à faire ça. À prendre Navi. Enfin, dans Naoui, mais bon, on va l'appeler Navi. Faire ça. Au moins, je peux tuer ça. Ensuite, il faut que je retourne là. Pour le repousser, sinon, il va nous décomposer la tronche. Et est-ce que je peux aller là? Ouais. Là, je vais pouvoir aller dans le. Passer, j'imagine, sinon je peux pas passer les. Ouais, ok. Donc là, je peux repousser le trondin. Le rondin, pas le trondin. Bon, c'est pareil. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, il y a plein d'autres époques. Ça n'en finit jamais! Attends, parce qu'il faut que j'aille en dessous. On a réussi, Yaki. On est presque sorti du bosquet. Il ne nous reste plus qu'à retourner dans notre époque. Bah, le problème, c'est que. Il y a des choses cachées dans ce. Il y a un coffre à aller prendre par là. Donc... Il y a un coffre à prendre dans le. Dans le passé, vers là-haut. Donc j'y vais. Genre là-haut. Merde, et lui il est pas mort. Comment je fais pour aller du passé à. Bon. Parce que là, y a pas d'arbre qui peut le défoncer. Si, y a un arbre qui peut le défoncer. Lui. Attends. Non. Putain, je sais plus. Mais là, je peux pas reprendre le. Je peux pas reprendre une autre époque là, si. S'il faut que je reste dans le passé, moi. C'est le problème. Si je veux le coffre là-bas, il faut que je reste dans le passé. Et ici, ça me fait transition de quoi en quoi? Du futur au passé. Pff, putain. Si lui, il faut l'éliminer. Mais comment? Parce que là, il faut que j'aille au présent pour pouvoir passer de l'autre côté. Je comprends pas. Bon, elle, c'est pas grave. Genre, je sais pas comment tuer celui-là. Je sais même pas si c'est possible. Si, je peux. Super. Ça me fait retourner où? Ok. Ça, je pense que je peux le tuer, ouais. Allez, bouge. Tomate pourrie. Merde. Non, c'est bon, ça passe.
ne pas aller trop loin. Bah non, je peux pas là. Le tuer avec celui-là. Et voilà, là au moins j'ai le chemin, mais il me faut aller au passé. Comment? Comment avec le passé j'arrive là? Mais là normalement les trucs elles viennent plus. Ouais. Donc il faut que j'arrive à prendre le passé, à faire le tour par là, quoi. Sans mourir de ça. Là aussi, il y a un coffre. Putain, c'est pas possible. Quoi. Bon, là, c'est facile. Je peux passer de l'autre côté de l'arbre. Mais pas au futur. Attends. Là, ça me donne quoi? Ah, ça me donne le futur. Ok. Je vais voir si le coffre il est disponible là ou pas. Je sais, je dépasse, mais. Tom qui dit courage. Ouais, merci. Ok, donc les deux sont au passé, je vais y arriver. C'est bon, là c'est fait. C'est juste que, en fait, j'ai fait tout le tour pour rien. J'aurais pu le prendre d'ici, mais c'est pas grave. Genre, si je le prends là, normalement je suis au passé là. Et je peux faire le tour. Ok, impec. Je vais commencer par celui du bas. Enfin, j'espère que je peux l'atteindre, celui du bas, là, parce que... Oui, je peux. Ouf! Eh bien, passe! Oh non! Pourquoi il peut pas passer? C'est un bug? On dirait que c'est un bug. Parce que si je peux pas passer par là, je sais pas comment on fait. Allez, s'il te plaît, dis-moi que c'est un bug. Et que là, je vais pouvoir passer. Oh, bordel, je peux pas. Bah alors, je sais pas comment l'avoir. Si, s'il y a pas de chemin là, je vois pas comment on peut l'avoir. Celui-là. Genre, vraiment. Je vais aller voir vite fait en reprenant le futur, mais je vois pas comment je peux faire dans ce cas-là. Bon, déjà lui je peux, c'est déjà pas mal. Ah oh, merde. Il y a un peu de circulation là. Je ferme ou pas? Oh, de la mana. Je n'entends pas donc. Ok. Et j'ai loupé un coffre dans le présent aussi. Il me manque un coffre dans le passé, un coffre dans le présent. Ah mais là je sais pas, on dirait un bug ou... Non, je pense que c'est fait exprès mais... Bon, va falloir que je rechange d'époque et je vais refaire le tour par là maintenant que je peux. Je suis un peu énervé. Genre un petit peu. Attends, déjà on va baisser ça. Donc là on est au futur. Je vais voir le coffre en haut là. Là que tout est. Pour moi, si j'ai suivi. Pour moi, si j'ai suivi, il ne te manque qu'un seul coffre. Ah oh, putain. Attends. Parce qu'en fait, faut que je fasse un truc en haut. Merde. Bon, attends. Déjà, je veux voir le... Non, non, il y en a deux. Il m'en manque deux, là, pour l'instant. Ok, bon. Genre, ben, regarde. Genre, son oui, deck. Je te j'ai crois. J'ai celui-là, là. À côté du champignon.
Et j'ai celui au-dessus de cet arbre-là. Il y en a un. Je l'ai vu. Mais pour ça, je sais... enfin, ça sera plus tard pour le débloquer. Là, il faut vraiment que j'arrive à débloquer celui-là. Ouais. Je comprends pas. J'en ai fait deux, mais il y en a un, je sais ce que c'est. L'autre, du coup, je sais absolument pas. Bah, ça va être de la gelée pourrie à tous les coups, mais... Putain! C'est vrai que je peux pas les baisser, en plus, les champignons, dans ce... C'est ça, hein, on... Non, je peux pas. Ah, putain de merde. Donc, il faut que je passe par le... C'est quoi, celui-là? J'ai oublié. C'est pas celui-là. Putain. C'est celui-là. Non, il y a un problème. Pourquoi j'arrive pas à passer sur ce petit mur en étant petit? Je sais pas. Est-ce que c'est le seul moyen? Genre là, oui. C'est comme ça, là. Il y a un truc ici, on sait pas ce qu'il y a, quoi. Genre là, j'y arrive. Mais pas à la bonne époque. Il faudrait que de là, j'arrive à passer à... en étant... Oh, putain de merde, pardon. Mais lui, ça sert à quoi de l'activer d'ailleurs? Rien. À part tuer la tomate et faire une grosse connerie. Ah merde. Bon, je sais pas, hein. Voilà. Faut qu'on arrête, hein, à un moment donné. Donc je vais avancer sur celui du haut. Et l'autre, j'y réfléchirai. Ben, je te propose que je coupe dès que je peux. Mmh. Et je vais chercher. J'ai un peu de temps là dans l'après-midi. Après, si tu veux. Après, si tu veux, on peut couper pour la vidéo YouTube et je peux continuer comme ça. C'est toi qui vois. Oh non, parce que je garde quasiment tout au final. Donc, Bah ouais, mais bon, là, ça va faire un truc de 3 heures parce que j'arrive pas à trouver quelque chose. Non, non, on va pas faire 3 heures par contre. Bon, ok, attends. Lui, il faut le tuer. Pour le tuer, il faut que je passe par là. Que je prenne. Le passé. Il faut le tuer par au-dessus, en fait. C'est pour ça qu'il y a un chemin ici. Je sais qu'il y a beaucoup de choses au-dessus, mais tant pis. Donc là. Voilà. Il faut qu'il y ait un arbre qui arrive dans ces eaux-là. Pour ça. Ici, on a quoi? Du vert. Donc, de suite, ça. Et là, comme il y a les radis, je suis pas touché. Très bien. Ouais, je dis que c'est des radis, fuck it. Sauf que je peux... Ah, je peux passer là. Mais pourquoi? Ça sera pour pousser l'autre et le placer. Très bien. Donc il me faut trouver l'arbre. Déjà. L'arbre qui va m'aider à faire tout ça, il est où? Il est là. Donc je passe derrière. Je le pousse. S'il faut, fallait l'activer, ça aurait tué un set distance en dessous. Non. Pas du tout. Ok. Donc là, il est là-bas. Merde. Oh non, j'ai compris. Futur, s'il vous plaît. Faut y aller avant lui. Je sais pas comment, mais... Faut courir avant lui derrière. C'est pas possible. Ah, il va beaucoup plus vite que moi. Peut-être qu'il y a une époque où il va beaucoup moins vite que moi. On va voir si c'est celle-là. Ah, il m'a tué! Ok. Bon, c'est pas celle-là. Est-ce que c'est en rétro? Mais en rétro, il y aura le truc noir qui va nous gêner. Ouais. Bon, on va tenter. Mais j'ai pas besoin de passer derrière, je suis con, moi. Non, c'est pas grave. J'aurais voulu pour le rapprocher, mais...
juste à faire ça en fait. Ah, quoique. Ça peut peut-être passer. On va voir. Et là, il va m'écraser. Ouais, voilà. C'est nul. Ok. Ouais, mais là, de toute façon, il faut... faut être au présent dans ce cas-là. Je vais tenter quelque chose. Et écoute, c'est en faisant des tests que... que la science avance. Exactement. Surtout pour la chloroquine. LOL. Aïe, aïe, aïe. Donc lui, je le mets devant. Voilà, on s'en fout de passer derrière. On fait ça, et on fait... Ah non, faut le faire avancer. J'avais raison. Ben maintenant qu'il est là, si je passe au... au futur, je peux pas aller derrière. Ben non. Bon, donc passer derrière, c'est la solution. Comment? Je ne sais pas. Mais faut passer derrière. Mais dans tout, s'il m'écrase. C'est le problème. Ah, peut-être que je peux le glacer. On va tester. Bah merde. Bon, attends, on va tester déjà si je peux le glacer. Non. Merde, comment je dois faire? Alors, je cite... parce que, enfin, là, c'est ça, c'est... Mais merde. Faut bien l'amener là. Oui. Faites juste la course contre lui. Voilà. Mais oui, mais putain, mais j'essaye, mais... Voilà. C'est tout. Ah, mais ouais, mais dans cette époque, c'est pas possible. Rendez-vous dans le présent. Ok, d'accord. C'était bien dans le présent. Bon. Go dans le présent. Faut faire la course. Ils sont mignons, quoi. J'essaye, mais j'y arrive pas. Go! Allez, allez, j'y crois. Pousse-toi. Oui, c'est bon. Donc maintenant, je le pousse. Et maintenant, on brûle tout. Pff. Le souci... c'est qu'il faut que je le repousse en arrière. Genre, vraiment... Mais là, il y a un radis, là, non? Ouais, voilà. Putain. Ah. J'en peux alors, plus. Il faut que je reparte dans le passé. Le cramé de le sadistas. Ouais. Il faut que je retourne dans le futur, passé. Pour faites le tour pour le renvoyer à sa position initiale. Oui, mais il faut passer par là. Il faut faire d'abord le passé. Et là, ça nous ramène à quoi, ça? C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Attends, si. Enfin, je peux, par là. Là, d'ici, il m'atteint pas. Oui, donc c'est là où je repasse au futur. J'en peux plus. Et le coffre, non. Celui-là en dessous, on saura jamais. Il faudra que je cherche. Mais faut chercher, c'est pas possible autrement. Donc là, je remonte. Je le repousse. J'en pif, dégage, merci. Je repasse au présent, parce que c'est le présent qui veut ça. Allez, j'y suis presque. Là. Au moins, j'aurais fait deux fragments magie, là. On aura juste celui du temps et peut-être la fin du jeu. Peut-être. Bah, je l'avais poussé. Ah mais non, mais je suis con, c'est bon, je peux passer par là. Idiot bête. Bah voilà. La carte de Naoui. C'est ça. Donc il y a un coffre que tu sais pas ce que c'est. Ouais, il y a... Bon, je sais pas. Je le retente. J'ai peur que ça soit du troll, hein, ah. Mais bon. Non, je vais citer, tu vas me dire si j'ai raté un truc ou pas. Vas-y. D'accord. T'as bien eu l'étoile, c'est oui. Le premier coffre dont je te parlais. Ouais. Tu as eu de la gelée verte. Oui.
tu as eu du mahana. Du mahana, oui. Tu as eu la carte à jouer. Oui. Tu as eu du minerai. Oui. Je n'ai pas d'autres informations. Putain, mais il est encore caché. On le voit pourtant. Oui, je sais bien, je vous le vois à l'écran, mais je n'en sais rien. Je n'ai rien dans. Mais dans attends. Le livre. Oui. Où est le présent là? On peut revenir au présent ici ou pas? Oui. Attends. Parce qu'il faut cramer tous les sadistas, elle a dit. Oui. S'il faut, c'est une quête subsidiaire. Et donc là, je peux le faire pour lui. Genre, frouf. Putain, s'il faut, c'est ça. Oh, s'il faut, je me suis cassé le... pour rien. T'as vu, je fais bien le... Ouais. Ouais. Non, faut retourner au passé. Pour passer ses radis. Ah, mais oui, s'il faut, c'est ça. Attends, maintenant que le sadista, c'est mort. Il faut que je... Ouais, je suis quasiment sûr que je peux le tuer, l'autre. Hein, celui qui me gêne. Donc là, j'en ai ruiné un. Donc il faut que je réfléchisse à comment ruiner celui là-bas. Pour ça, il faut que j'arrive à repousser celui-là tout là-bas. C'est la solution. J'ai trouvé. Il faut que je pousse Jean-Yves là jusqu'au bout là-bas. Et j'ai gagné. Ah la vache, j'en aurais mis du temps. Mais au moins en plus, ben, ça élimine tous les sadistas quoi. Ok, donc là, il faut que je passe derrière. Ah merde. Je peux pas ? Bon, pas là du moins. Faut que je continue de faire le tour. Genre là, je peux pas descendre. Bah non, ça sert à rien. Faut que je descende là-bas. Donc ok, on va là. Je vais y arriver. Je me fais confiance, là, j'ai compris. J'ai compris le jeu, là, ça y est. J'ai juste à passer de ce côté-là. Merde. Faut être dans le futur. Et d'ici, je peux avoir le futur. Oui, parce que... Il est derrière les champignons. Mais de l'autre côté, de quoi? Du champignon, pauvre sotte. Allez. Hein? Ça donne mal au crâne. Alors, faut savoir que c'est un bleu. C'est bon, je l'ai, moi. C'est un bleu qui était devant le chemin que j'ai besoin. Donc, c'est bon. Là, je suis dans le futur. C'est bon, j'ai gagné. J'ai vaincu le jeu vidéo. Là. Je vais juste aller là. Hop. À monter ici. À faire ça. Paf. À voir où il s'arrête, parce que je crois qu'il y avait des radis dans le chemin. C'est ça. Donc, il faut revenir au passé. Ah moi c'est bon, hein. Dans ma tête c'est très clair là. Je sais ce que je fais. Tant mieux. Ah oui, c'est bon. Bon, c'est peut-être pas si clair. Si, c'est bon. Je sais ce qu'il me fallait faire, mais j'ai pas pris le bon chemin. Je me suis fait rect. Mais alors comme il faut. Vous voyez, toujours à côté. Impec, c'est bon. Donc je passe par là. Mais fais-le, oh. La barbe. Merde, le problème, c'est... Est-ce que je vais avoir assez d'allonge pour le faire pousser jusque là-bas? Oh merde. Bon, c'est pas ça. Enfin, si, c'est ça, mais... C'est pas comme ça que ça doit être exécuté. Ah mais non, mais c'est bon, je peux passer là, je suis con. Si, c'est bon. Je dis rien, genre pif.
Allez, va tuer Francis, là. Mais là, il faut que j'arrive au... Attends, parce que maintenant qu'il est là, faut que je trouve comment activer le... Le présent. Ben, c'est ici. Donc, il me faut d'abord passer par le futur. C'est bon, je peux passer au-dessus. Ah oui, non, la fée, c'est que dans un seul truc. Ouais, c'est que dans le présent. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je trouve le présent et je sais où il est. Hop, je peux passer là. Le présent. Et c'est bon. Ouh. Frouche. Donc maintenant que lui, je l'ai proutède. Mon coffre, il est toujours de ce côté là-bas. Donc faut que j'arrive là-bas. Dans le passé. Donc il faut que je reprenne le futur pour remonter. Donc le futur pour remonter, prendre le passé, redescendre et faire le tour et j'aurai mon coffre. Et je le veux mon coffre. Hein. J'espère qu'il y a des trucs bien dedans parce que là... Ah merde, ça c'est nouveau par contre. Je peux pas passer. Parce qu'il faut le repousser. Putain, c'est pas possible. Mais on peut le repousser ? Oui, on va pouvoir. Très bien. Donc, on reprend ici. Beaucoup trop de croisements temporels dans ce jeu. Si toi aussi t'arrives, tape. J'ai rien compris, mais c'est trop cool. Puis qu'il est con. Elle est là. Hop. Mais non, là je l'ai remis dans le machin. Ça sert à rien là. C'est même pire qu'avant, je crois. Genre qu'il soit là, c'est le pire truc qui puisse m'arriver. Ah ben non. Ah ben si. Putain, je sais plus. Ah ben là, je suis perdu, ça y est. Que de l'avoir fait monter, c'était le... De l'avoir descendu, c'était peut-être pas la meilleure des idées. J'ai compris, mais c'est trop cool. Bande de cons. Parce que là, j'ai remplacé par un sadistas, mais ça changerait. Ah si, ça change. Non. Parce qu'il faut que j'arrive là. Et d'ici. J'espère que c'est vers le passé, ça. Parce que si c'est pas vers le passé, c'est la merde. Ok, c'est la merde. Parce que si je reprends ici, c'est la merde. Parce que lui, je peux plus le repousser, en fait. Attends. Ça a fonctionné? Genre vraiment? Mais... Putain de tomate. J'ai juste que ça à dire. Putain de tomate. Allez, casse-toi là. Ça peut passer. Je peux peut-être le remettre comme je veux. Mais je suis vraiment un con, moi. C'est pas possible. Hein. Lui, il est remonté ou pas? Non. Non, la tomate, va-t'en. Merci. Vite, 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 vite. Non, la tomate va me la remettre dedans. Je déteste cette tomate. La récompense, elle a intérêt à être bonne, hein, parce que là, là, ça commence à me chauffer. Bah, sortir du bois, déjà, c'est pas mal comme récompense.
Reste glacé. Oh putain. Ok. Donc là, il remonte, lui. C'est bien. Là, on va pas trop loin. Faut qu'elle ait glace l'autre con là-haut. Ok. Mais non, je peux plus le... Si, je peux le repousser après. Donc si je reprends là... Si je reprends là, je suis bloqué par la tomate. Putain. Je vais y arriver. Il y a le chat qui est dupliqué. Ah bon? Tue les tomates. Je peux pas les tuer. Si, avec le feu, mais ça sert à rien. Là. Les tomates, au contraire, elles me servent à faire toute ma connerie. Là. Oh, c'est bon. C'est le futur, ça, ou c'est pas le futur? Si c'est le futur, c'est gagné. C'est le futur, c'est gagné. Ah, c'est pas gagné. Pourquoi? Pourquoi je peux pas le repousser? C'est bon. Ah, il bouge plus du tout. Je l'ai bloqué. Bah, il suit vieux, hein, c'est une vieille branche. Non, mais il me fait chier là en fait. Oh, putain. Le problème, c'est qu'il me fait chier. Parce que si je fais ça, si je peux pas passer en bas comme... Bah non. Le but en fait c'est que je passe petit ici, sauf que... Je crois que j'ai bloqué le machin. Au final je sais plus. Je suis perdu. C'est, je l'ai amené là. J'ai tué le sadistas, mais... Mais voilà. C'est tout, quoi. Navi me dit pas... Je ne sais pas. Je comprends plus. C'est... Je comprends plus. Si je me mets là et que je le repousse, au final, c'est comme si j'avais rien fait. Mais moi, je veux qu'il parte dans ce sens-là, quoi. Mais pas là! Oh mon dieu, il est con. C'est, je ne sais pas comment je peux faire pour y passer jeune ici, en fait. Je sais même pas si je peux les tuer les tomates, donc... Parce que là, il m'emmerde d'être là. Même s'il remonte, c'est pareil, il a la longe pour me tuer. Ça me fatigue, ça y est. Si, avec la fée... Mais ça sert à rien de tuer les tomates. C'est ça que je veux dire. Si je tue la tomate, ça me servira à rien. Mon but, c'est de passer en étant... Ouais, bah c'est dégueulasse, il n'y avait pas les icônes. Bon, c'est pas grave. Mon but, c'est d'avoir le... Oh putain, faut que je le repousse. Sinon, je peux pas passer quand je serai... Faut que je le repousse contre le mur, ça c'est indubitable. Il faut absolument que je fasse ça. Sinon je peux pas aller chercher mon... Ce truc en étant... Dans le futur. C'est ma clé pour être petit, c'est là. Sauf qu'il faut déjà que l'autre il soit recollé.
il faut que ça, ça soit baissé. Ça, c'est la condition pour aller chercher le coffre. Genre, être dans le futur, faire le tour. Par là, en étant petit. Genre, je vais tester maintenant que j'ai tout tué, mais... Je sais pas comment je peux passer avec la... Genre là, j'arrive là. J'arrive là. Je fais ma glace. Et maintenant, je passe comment? C'est ça le problème que j'ai. C'est je ne peux pas passer. Avec toute la volonté que j'ai, je ne peux pas passer. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que même si je gèle, ben je vais me faire défoncer. Genre là, ça sert à rien parce que je vais me faire toucher par ça. Ouais, ouais, mon but c'est de passer là, mais comment, je sais pas. Depuis qu'il n'y a plus le sadista, je sais pas. Que ce soit le sadista ou le gros, là, c'est pareil. C'est la même merde. Sauf que le gros, je peux plus le refaire partir. Et si je fais ça, je me fais éclater. Je sais pas. Là, là, sans déconner, je sais plus. C'était bien parti, et maintenant, c'est de la merde. Quand ils sont grands, les tomatos peuvent empêcher les sadistas de te voir. Mais ouais, mais... C'est le souci, quoi. Je peux pas... Je peux pas faire le tour. À moins que j'ai loupé un téléporteur quelque part, mais ça m'étonnerait. C'est les seuls, là. Téléporteur et c'est tout quoi. Genre quand je reviens ici, ben, c'est la même merde quoi. Si je peux pas, si je peux atteindre le coffre, c'est bien, hein, mais pas avec la bonne époque. Et même si je refais tout le tour en étant petit de ce côté, ben on a bien vu que je pouvais pas. Pour une raison qu'on connaît pas. Genre là, si je vais là et que... Que je reprends le passé, qui est... Là... C'est comme si je refaisais tout le tour et au final pour rien, quoi. Non, voilà, si quelqu'un a une idée, bah tant mieux, s'il en a pas, bah je me barre. Parce que j'ai pas d'idée. Et au pire, je regarderai sur le net parce que j'ai pas d'idée. T'as pas trouvé, toi, Guillaume, de ton côté? Non, même sur différents guides, différents solus, différents... Mais sans déconner, on va voir quand même qu'il y a un truc ici, quoi. Ah ouais, mais... Genre, comment je ne peux pas passer là? Je ne peux pas. Pourquoi? C'est quand même dingue! Genre, le jeu m'interdit de passer ici. Eh, tant pis, hein. Je regarderai sur le net parce que là, il me faut couper à un moment donné. Donc je refais le tour par là-bas, dans le... Dans quelle époque? Ben, dans le passé en plus. Faut que j'atteigne là-bas.
C'est... Je comprends pas. Tant il y a des choses que je peux comprendre, autant celle-là... J'y arrive pas. Je dois être trop bête. Bref, si on quitte la forêt, déjà, je vais pouvoir sauvegarder. Et là-haut, il y avait quoi, déjà? Rien? Là aussi, il y a rien du tout, on sait pas pourquoi. On dirait qu'il y a des trucs, hein, mais... Il n'y a rien. Excusez-moi. Désolé. Bon, allez, on sort. Mais on peut pas sortir. Pour sortir, il te faut parler à Yoda. C'est vrai? Hmm. C'est une blague! À quelle époque? Je lis... Le passé? Bon, on va tester. Tu sais même pas. C'est écrit bah, dans c'est la dernière chose avant de parler à Yoda, c'est de le ça parle de passé donc. Bon, on va bien voir. Hein. Salut Franky. Oh, libérer la forêt des sadistas, tu vois. Récompense, je dois te remettre dans ce cas. L'arbre Yoda. La forêt entière te remercie de ton aide. De ton aide te remercie entière la forêt. Et c'est tout, mais comment je peux partir? Il y avait des cailloux. Ce jeu se fout de ma gueule. J'ai mal. Pas parce que, enfin, je suis obligé. Attends, mais c'est... Pour arriver... Pour revenir au début, je suis obligé de passer par là. Et ça, je suis obligé de le faire dans le passé, là. Ce tronc d'arbre. Ok. Donc il faut que je coupe là. Et que j'aille chercher ça là. C'est ça? Est-ce que les cailloux disparaissent? Oui. Non. Tant mieux. Allez, on se casse. Ah, qu'est-ce qu'elle veut? Désolé, mais je peux pas te quitter cette forêt, tu vois. Les fées, comme moi, elles peuvent pas vivre dehors. C'est une question de physique quantique. Je peux pas être dans tous les temps et plusieurs espaces à la fois, apparemment. Tcho. Et elle s'est barrée. Okay. Ah, succès déverrouillé, mastermind. Bon, enfin, okay. Mastermind, mon cul, oui. Il manque un coffre. Merci d'avoir aidé le gardien du bosquet sacré. Vos aventures m'ont donné envie de visiter le monde. Mais j'hésite encore. Ah, ben c'est elle, sa grand-mère. Et elle, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu as bien trouvé le fragment de la clé, magie, l'heure du choix approche. Bon, je sors de la forêt pour avoir l'icône de la sauvegarde. Et j'arrête. Aïe, 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 quel bordel. Mmh. Ok, j'ai la sauvegarde. Bon, il nous manque un fragment. Ouais. C'est pas mal. Bon, ben je vous... Arrête là de suite, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite des Volandes. C'est bien ça, hein? Même heure? Oui. Ok. C'est ça, hein, normalement. Oui, oui, mais je te demande confirmation, okay. Comme ça je le dis. Ah oui, mais moi, non, demain, je suis là, donc ça devrait le faire. Donc, ouais, à demain pour la suite des Volandes, et puis à très vite, tout simplement. Allez, ciao! À toutes.